que Jésus vous aime. Je prie vraiment pour vous. Je voudrais, avant de commencer, les gens me disent, mais pourquoi toi tu insultes dans tes vidéos? Non, je voudrais clarifier les choses. Je n'insulte pas. Il insulte. Si moi j'insulte, c'est pas bon du tout, Magali. Non, j'aimerais dire, je n'insulte pas. La Bible dit, il y a un moment où il faut savoir, il y a un temps pour toutes choses. Bon, il y a un temps pour les bisous, il y a un temps pour les bicouèques, il y a un temps aussi pour frapper. Quand Jésus était sur dans ce monde, il y a eu un moment, il a pris la chicotte. La chicotte, c'est pas agréable. Et la dernière fois, je disais, il y a une dame qui était allée voir une journaliste pour dire que la dame là, madame Mabiala, elle insulte les gens sur Facebook. Et la dame lui a répondu, et ça, ça m'a impacté. Elle lui a dit, quand on prend l'alcool, si tu es blessé quelque part, c'était maman Manzambi, ma chérie de Casarema, elle a répondu à cette personne-là que quand on prend l'alcool et qu'on jette sur une, qu'on met sur une blessure, ça fait quoi? Ça fait mal, non? Mais le but de l'alcool, c'est quoi? C'est de guérir. Donc, tu as mal, mais tu guéris. Donc, ça, c'est ma stratégie. C'est pour ça que je parle souvent durement. Quand je dois reprendre, je reprends. Quand je prends, je dois vous parler, vous cajoler, je vous cajole. Je trouve que j'ai assez cajolé les gens dans les églises et ça ne les a pas aidés. Donc, quand je parle, quand je te dis tocard, c'est pas que je t'insulte. La Bible parle de insensé. Et puis, il y a des moments, écoutez, Jean-Baptiste dit race de vipère. Même Jésus dit race de vipère, muraille blanchée, etc. Ça, c'est des insultes. Moi, je te traite de tocard. Donc, je ne vous insulte pas. Je vous qualifie simplement. Et je trouve que c'est gonflé de votre part. Vous comportez d'une façon insultante envers Dieu. Mais quand on qualifie votre comportement, là, vous dites qu'on vous insulte. Et moi, je dis à quelqu'un, si tu n'es pas content de ma page, il y a plein de pages. Bonjour, Juliana. Bonjour, Magali. Allez ailleurs. Il y a plein de pages. Mais si tu es sur ma page, en tout cas, moi, je vais te laver. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'aimer. Je vais prier pour toi. Je vais même jeûner pour toi. Je vais t'imposer le même. Mais s'il faut te ramasser, je te ramasse. Et quand je te ramasse, je te dis que tu es une tocarde. Une tocarde, ça veut dire que tu ne réfléchis pas dans ce que tu fais. Quand on dit tu es ma boule, c'est-à-dire que là, tu as perdu la tête. C'est pas une injure. Maintenant, quand je dis cale en l'air, c'est pas une injure. Ça veut dire barre-toi. En tout cas, quitte devant moi. Donc, j'espère que moi, on est prêt dessus. Et moi, j'aimerais dire, au lieu de venir poser des vilains likes ou bien des commentaires bidons et bizarres, là, allez vous faire caler ailleurs. Voilà. Donc, celui qui n'est pas content, t'en finis ça. Pourquoi est-ce que je parle ça? Parce que je me rends compte que quand on vous parle de destinée, c'est très bien. Mais moi, je dis que si la relation que tu as avec toi-même et la relation que tu as avec l'homme ou la femme qui t'est plus cher au monde, si ce n'est pas au beau fixe, tu n'as pas envie qu'on te parle de destinée. Tu n'as même pas envie qu'on te parle de talent. Tu n'as pas envie que l'on te parle d'autre chose. Tu as besoin d'être clair avec toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas dans la vie, si tu n'as pas envie qu'on te parle de ta destinée, ce que tu as envie, c'est qu'on te fixe à l'intérieur. Et c'est ce travail-là que je fais. Donc, il y a des gens qui m'écrivent, me disent, moi, je veux être coach, je veux être comme toi. Je dis non, il faut d'abord avancer parce que les gens sentent. Si ce que vous coachez là, c'est du copier-coller, si vous copiez chez Lady Sonia, ça ne va pas marcher. Vous serez frustré. Il faut d'abord, bonjour Edéa, comment ça va? Bonjour Espérance, Florence, Eva. Il faut d'abord être guéri à l'intérieur. Donc, mon travail, c'est d'abord de poser les fondements, de poser les bases, de vous guérir, de vous emmener à changer de mentalité avant de vous emmener à parler des finances, avant de vous parler de business et autres. J'ai d'abord cette stratégie-là de toujours battre la terre, de poser des bons fondements pour que vous soyez solide, d'accord? Le but, c'est pas que vous copiez, collez. Bonjour, Patricia Bimpolo, bisous à ton anneau, bisous. Donc, tu vois, donc, il faut d'abord que tu arrives à t'aimer et puis à aimer le monde pour pouvoir apporter au monde ce que tu as, d'accord? Donc, ça, c'est ma stratégie de coaching. Donc, on a parlé la dernière fois, on a dit que les femmes, elles n'aiment pas les hommes qui sont mous. Mais pourquoi je vais parler de ça? Parce que ça ne sert pas d'être dans un couple, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous êtes malheureux. Vous blessez l'un et l'autre. Tu n'apprends pas le langage d'amour de la femme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une femme. Tu es une femme, tu veux te mettre avec un homme et tu ne sais même pas ce que c'est qu'un homme. Il faut savoir. Il faut savoir d'abord ce qu'un homme biologiquement. Là, mon coach Darcy vous a fait un très bon cours sur pourquoi est-ce que les hommes vous trompent, sur comment comprendre les stratégies. Parce qu'un homme, il est fait biologiquement différent de toi, la femme. Mais quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut savoir comment on gère l'autre personne. Vous êtes dans le foyer, on vous prêche à l'église ou bien on vous prêche pas. Je parle pas forcément des chrétiens, c'est pour ça que vous entendez rarement, je suis une servante de Dieu, mais je n'utilise pas trop la parole de Dieu parce que j'ai beaucoup de gens que j'arrive à gagner au Seigneur dans ma stratégie où je parle sans dire oui, Jésus, Jésus tout le temps. Non, c'est pour dire que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu peux être heureuse. Ça ne dépend que de toi. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Tout est en toi. Maintenant, quand la femme sage bâtit le foyer, l'homme sage, il fait quoi? La Bible dit que l'homme prudent, c'est un homme charmant, c'est un homme doux. La Bible parle aussi des hommes. Bien que notre Seigneur Jésus n'était pas un homme marié, il a démontré comment on traite une femme. Voilà. Donc, quand je dis, par exemple, un homme doit savoir préparer, les gens disent, mais elle sort ça d'où? Jésus a préparé, les disciples étaient sur le bateau, sur les bateaux, abattus, découragés, quand on avait crucifié le Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur a préparé le poisson braisé.
Il a préparé le poisson braisé bien, bien là. Les gens, donc, il a appris la cuisine. C'est-à-dire, quand on aime, on donne. Donc, je voudrais que vous compreniez que ces enseignements-là, c'est pour vous emmener à un autre niveau. S'il vous plaît, partagez, partagez. S'il y a des calages en l'air, vous comprenez qu'il faut qu'on vous rectifie un tout petit peu. Prenez ça à cœur. Apprenez, échangez. C'est ça le but. On est ensemble. Bonjour Rita du Gabon. Donc, on dit quelque part que les femmes, une femme, c'est une femme pleine d'émotions. D'accord? Elle a besoin de te sentir protégée. La Bible a dit dès le départ, au début, on a dit que toi, femme, tes désirs te porteront vers ton homme. Donc, elle a la plupart des désirs qu'une femme fait. Tout ce qu'on fait là, nous, en vérité, je vous dis la vérité, les hommes, on fait ça pour vous. S'il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes là, les amis, les hommes, hein, invitez vos amis, hommes, ils vont comprendre. Tout ce que tu vois une femme faire quand elle se lave ou quand elle se maquille, même si elle dit non, je vais être belle, en fait, elle le fait pour plaire. Nous avons ça en nous. Nous aimons plaire, nous aimons être protégés. Nous sommes, même quand on fait la bouche là, nous sommes comme des fleurs. Le Seigneur vous a dit que nous sommes un sexe faible. C'est à vous de prendre soin de nous. Ça, c'est quelque chose qui est en nous. Donc, quand on a un homme qui est mou, un mec qui est bon, il n'a aucun esprit de leadership, c'est-à-dire il n'a même pas en lui-même l'envie de me conduire, l'envie de me diriger. Bonjour mes chéris, je ne peux pas m'arrêter tout le temps, vous dire bonjour, mais je vous aime. Bonjour Nadia, ma chérie. Et on se sent frustré. Tu es avec un homme, mais il est incapable de prendre des décisions. Tout ce que tu dis, chérie, est-ce qu'on peut faire ceci? Il ne sait rien. Il te dit simplement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis il est toujours là, en train de. Tu vois, non, les filles, si je mens, dites-moi. Mais écrivez, dites-leur bien pour que les hommes se retrouvent. Nous, les femmes, on a besoin de se sentir guidées. On a besoin de se sentir guidé. Quelqu'un a dit la dernière fois que dans le jardin d'Adam et Ève, là. Mais quand le serpent parlait avec Ève, Adam était où? C'est ça la question. Émotionnellement, une femme doit se retrouver avec un homme. Physiquement, elle doit se retrouver. Elle doit sentir la présence de son homme. Si tu n'es pas là, elle ira parler à n'importe qui. Elle sortira. Si tu n'assumes pas tes responsabilités d'homme à côté d'elle, je t'assure qu'elle va sentir un vide en elle. Elle va se retrouver dehors. C'est pareil pour les hommes. Les femmes, là, vous qui dites toujours non, moi je veux me marier, Est-ce que vous savez que dans le mariage, votre mari peut se retrouver seul alors que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Quand vous voyez un homme aller chercher dehors, c'est qu'il y a un vide quelque part. C'est qu'il se sent seul quelque part. Il se sent seul en quoi? Il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas avec toi. Tu vois, il vient juste, d'accord, il vient, il couche avec toi. Et puis, il avance parce qu'il ne trouve pas en toi, c'est-à-dire le havre de paix. Ça, c'est quelque chose que les hommes aiment. Être avec une femme qui lui apporte la paix de l'âme, la paix dans sa tête. Pas une femme qui me fait trop réfléchir. Donc, un homme qui n'est pas capable de m'apporter une stabilité émotionnelle, qui n'est pas capable quand je vais mal. Vous savez, nous, les femmes, on est lunatiques. On change souvent de pensée, de parole. Aujourd'hui, on est content, dans 5 minutes, on n'est pas... Enfin, nous avons nos hormones. Et ça bouillonne beaucoup en nous. Il faut un homme mature, un homme sage, qui est capable de dire non, là, la femme, là, elle est en train de passer de telle phase à telle phase. Surtout quand on est enceinte, les hormones bouillonnent. Par exemple, moi, quand je suis enceinte, je vous dis, j'ai mon nez jusque-là. Je pleure pour rien. Même si tu as pris la banane plantée, une banane, tu mets à la poubelle. Je vais pleurer. Mon mari a vécu ça. À minuit, je me lève, s'il te plaît, je veux manger la pomme granite, la pomme verte, verte. Il va trouver ça où? Le gars, il a compris que non, c'est pas souvent des caprices. C'est-à-dire, même si c'est des caprices, je suis ton bébé, tu es mon bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, les hommes, vrai ou faux? Quand vous dites que vous voulez être le premier bébé de la femme, fais de ta femme aussi ton premier bébé. Mais comment est-ce qu'on prend le bébé? Comment est-ce qu'on s'occupe d'un bébé? Ne te dis pas, lui aussi, un papa comme ça, quel bébé? On n'a pas dit bébé où tu vas enlever la couche. Tu prends soin de la personne émotionnellement. Tu es là pour la personne. Physiquement, tu es là pour la personne. On est là ensemble dans cette affaire, en partenariat. On travaille ensemble. Okay? Je te remplis d'amour. Je te donne ce que j'ai de plus. Tu me donnes ce que tu as de plus. Et quand on le met ensemble, eh bien, ça donne l'harmonie. Tu comprends? Ce n'est pas des comportements bizarroïdes que l'on présente. On a besoin des hommes responsables. D'accord? Elles veulent un homme qui prenne des initiatives. Chérie, comment est-ce qu'on va faire? D'accord? On va se marier. On va se marier, mais on va se marier pour faire quoi? Est-ce que c'est pour ressembler à tout le monde? Non. Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Non. Vous vous asseyez et vous tchatchez. On se parle les bêtes, on se parle les vérités. Non, moi, quand je me marie, pour moi, une femme, c'est comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Vous parlez, vous communiquez. Il doit avoir la communication. Un foyer où il n'y a pas de communication, la femme va se chercher dehors. Elle va être busy outside, busy body. Elle sera dehors en train de raconter sa vie. Busy body, c'est comme ça on appelle. Si c'est un homme, il préférera passer du temps avec ses amis. Parce qu'avec ses amis, tu vois, there is joy. Il y a des hommes, ils fuient la maison. Quand à la maison, la femme, elle est toujours là. Bon, c'est toujours des faux problèmes. Elle a toujours, tu vois, non, toujours tristesse. Tu vois, le gars est mal à l'aise. Il préfère aller dehors parce que dehors, au moins, il a, comment on appelle, on lui change les idées. Les amis lui font rire. C'est pour ça que je dis aux femmes, apprenez à mettre de l'ambiance dans la maison. Apprenez à mettre de l'humour dans la maison. Apprenez à
accueillir le mari dans la maison. Quand il arrive à la porte, comment est-ce que toi tu accueilles le mari? Tu vois la go, le mari, elle entend bien que son mari arrive à la porte. Elle est là, calée devant la télé, et puis elle augmente même télé-novela, elle augmente le son de la télé pour faire comme si elle n'a pas entendu les pieds du mari. Mais ça, c'est pas une femme, une vraie femme. Bonjour mon chéri Nathanaël, bisous à toi mon bébé. Une vraie femme, quand tu as entendu le bruit de la porte, et ça je ne vous dis pas ce que je ne fais pas, je me lève. D'abord, bien avant qu'il arrive, même 15-20 minutes, tu vas me voir, je vais aller me pouponner, me nettoyer, me parfumer. Il faut qu'il pense que j'étais sortie ou bien, tu vois, dans le style, je l'attendais, tu vois, nickel comme ça là. Parce qu'au boulot là-bas, il a vu des tocades avec les seins bien comme ça là, parfumés. Elle vient même debout avec les dossiers, quoi. Et puis quand elle vient mettre les dossiers devant pour que le chef signe, elle baisse bien comme ça, le chef va voir même, hein. Tu vois, vous comprenez de quoi je parle, non? Le chef va voir ici là. Donc, et puis tu vois, il y a les odeurs sont parfaites. Maintenant, s'il vient à la maison, et puis mettons-moi ici là, je vais mélanger avec filet, et puis je suis là, j'ai attaché le pain, et puis je le reçois pas. Mais je renverse moi-même ma maison. Je renverse moi-même ma maison. Non, quand j'entends qu'il arrive, je vous assure, 15 minutes avant, je ne dis pas qu'il faut être toujours bien sapé. Tu peux même ne pas être maquillé, mais tu es bien habillé. Tu es quand même propre, d'accord? Il ne vient pas trouver une poubelle à la maison, mais il vient trouver une vraie go. Donc, tu vas, tu l'accueilles, tu soulèves le sac. Oui, vous qui dites que parce que vous êtes en Europe là, ah quoi, en Europe ici là, on se cherche quoi, tu vas perdre le mariage pour rien. Tu vas faire, le gars va détourner sa tête pour rien. Tu vas l'accueillir. Moi, j'accueille mon mari. Je soulève le sac, bisous sur la bouche. Mouin. Quand je fais ça, les enfants font, oh, vous là aussi, vous aimez trop ça. Mais c'est ça, bisous, moi, je l'emmène dans la maison. S'il est trop fatigué, directement dans la chambre, je l'aide à enlever la veste. Vas-y, mets-toi à l'aise. On lui donne le verre d'eau, on emmène les pantoufles. On le laisse à Pema, qui respire. Mais toi, tu vas commencer, hé, hey, tu n'étais pas là. Quand tu n'étais pas là, on est venu, on a coupé l'eau, on a coupé le courant, on a fait ceci. Hé, hey, la voisine a coupé. Donc, tu l'as. Déjà, il a eu une journée chargée. Il est fatigué, il arrive à la maison, il a affaire à une tocarde qui ne connaît pas attraper ta bouche. Tu ne peux pas attraper ta bouche un peu. Laisse le gars, il va respirer, il va souffler. Et quand il arrive dans la maison, quand il s'assoit dans le fauteuil, fauteuil parfumé. Tu comprends? La maison sent bon, les fauteuils ne sentent pas le pipi des enfants. Ça, c'est vous les sœurs là. Hein? Le pipi des enfants, donc la maison est dans tous les désordres. Le gars est au bureau, l'assistante a bien nettoyé, la secrétaire a bien nettoyé le bureau. Quand il arrive à la maison, il pense déjà à la pagaille qui va tout. Il est déjà découragé. Il n'a même pas envie de rentrer à la maison. Alors que si tu as bien arrangé ta maison, quand il arrive, tu vois, il sent une petite odeur. Achetez les. Bon, ici, je suis chez mon papa, au moins c'est stable ici. Il y a les désodorisants là. Quand tu sens que l'heure où il va arriver, tu arranges maintenant et puis tu mets. Ça sent bon. Dans le salon, ça sent bon. Quand il vient s'asseoir, voilà, c'est agréable. On aère un peu. Et puis, tu as bien préparé un bon bouillon qui sent bon. Là, le bouillon préféré, tu connais ce qu'il aime. Tu prépares ça. Le gars, quand il est assis, là, il sent sa bonne nourriture. Il a vu sa femme qui l'a accueilli à la porte. Il est déjà content, on se pélite. Hein. Voilà, tu le fais manger bien, bien. Là, vous causez quand il attaque, quand il cause. Tu vois, tu sens que toi, tu connais ton gars. Est-ce que je peux causer maintenant? Est-ce que je peux pas causer maintenant? Tu gardes tes pots, tu attends. Ou bien devant les enfants, tu commences à dire, hey, toi là encore, tu n'avais pas laissé l'argent le matin. Tu viens encore ici, là. Tu viens manger quoi, ma chérie? C'est qui là, ce qu'il a donné là, débrouille-toi avec ça, hein, maman, débrouille-toi avec ça, hein? Donc voilà, tu as préparé ça là. Si toi tu travailles aussi, si tu as vu qu'il n'a pas donné assez, c'est qu'il n'en a pas assez. Tu vas prendre son problème, tu vas aller voir partout. Moi, mon mari, il donne pas l'argent, hein? Tous les pasteurs de l'église savent que ton mari n'a pas donné l'argent de la popote. Tous les gars du quartier savent que ton mari n'a pas assumé. Est-ce que ça, c'est femme? Donc le gars, même quand il descend du car ou du bus pour rentrer à la maison, il sait que toute sa ville, on connaît ça de chez, de là-bas jusque là. Bien. Bonjour Rina, bonjour ma chérie. Ça va maman Rina? Ça, c'est mon amie d'enfance, c'est ma soeur. Donc voilà, et je suis honorée que tu sois là, ma chérie. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir tenir un homme. Et donc, quand il est arrivé, il se repose là. Après, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, vous allez regarder la télé, etc. Vous riez. Mets-le à l'aise. You crack jokes, you know. Des bonnes blagues, tu vois. Histoire de le déstresser. Il faut qu'il se sente bien à la maison. Moi, je t'assure, je connais les secrets de mon mari. Les bons gâteaux. Quand je te frappe les gâteaux, quand je te fais le poulet à la braise, gingembre bien pimenté, je dépose. Je sais que ça, c'est la prise de finition. Quand je fais ça, il n'y a rien que je peux demander. Souvent, je ne demande rien. Mon mari, quand il mange, il aime les gâteaux que moi, je fais. Je fais ça, c'est pas comme toi là, parce que tu t'es fâché, hein, ton mari vient, tu l'as préparé, je sais, tu mets plein de piment, il ne peut même pas soulever la. Quand il a mis première cuillère là, il devient rouge, c'est quoi, piment, pourquoi? Parce que tu veux te venger, tu es fâché et puis il mange seul, et puis tu dis, j'ai pas le temps, tu es là, tu fais busy body, tu es occupé à faire, quand c'est pour pas parler dans le quartier là, là, you are the best, ton mari est là, viens t'asseoir pour manger, tu peux pas, et puis attends-le pour manger, sauf s'il est rentré à minuit, vous aussi les hommes, c'est ça, hein, les papas là.
Mais oui, ça s'entretient. Je suis tout à fait dans les deux sens. Maintenant, toi aussi, tu viens du boulot. Monsieur, tu vois, si tu as travaillé, oh, c'est moi le chef de la maison, tu arrives, tu prends tes problèmes du boulot là, tu viens sur la tête, bon, à la maison, dès que les enfants entendent, papa est là, Kondo Akavi, Hitler arrive, tout le monde, même madame se bat dans le couloir avec les enfants, chacun fouille. Ça, c'est. Tu détruis ta voix, ton foyer, mon frère. Tu apprends à gérer une femme. Au contraire, quand tu dois arriver à la maison, ça doit être. Tous ces CP là, on est content, papa arrive. Les... Tu vois, chez nous, quand on était, on disait papa, yo, papa. Là, papa arrive. Parce que quand papa vient en chemin, il a acheté des bonbons, il a acheté des. Même si tu n'as rien acheté, au moins quand j'arrive, tu soulèves les enfants, tu embrasses ta femme sauvage. Toi, tu viens là, tu continues, et puis tu frappes le talon quand tu m'as dit, moi au boulot, je suis le chef, on m'accueille pas. Mais moi, je ne veux pas t'accueillir. Parce que si je viens t'accueillir deux, trois fois, et puis tu me donnes devant, je fais bisous comme ça, et puis tu m'embrasses pas. Deux, trois fois, je suis frustrée. Les femmes, c'est ça. C'est pas plus que ça. Je viens t'accueillir, souris-moi. Même si tu es fâchée, on aura le temps de régler des trucs après. Mais c'est ça, Carole, aux autres, c'est quand tu entends des rires, c'est la vérité. Hein? On aura le temps de régler les problèmes après. Même quand on est fâché, là, on se fait bisous. Je parle pas aux fiancés, hein? Je parle aux mariés. Vous les tocards, là, faut pas aller dire, oh, coach Seigneur a dit que quand tu me vois, donc, tu n'as pas encore épousé la fille d'autrui, et puis tu la serres fort dans les coins du quartier pour l'embrasser. Non, 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 that's not what I'm talking about. Je ne parle pas de ça. Je parle de ta femme dans la maison. Je dis que quand tu arrives du boulot, même si tu es fatigué, tu es énervant, tes chefs, ton quoi, quand tu arrives à la maison, c'est la maison. Laisse tes problèmes du boulot au boulot. On n'emmène pas ça à la maison. Il y a un temps pour toute chose. Ça, c'est le temps de l'enjoyment, le temps pour être bien. Et quand tu arrives à la maison, tu es avec ta femme, vous vous mettez à l'aise, tu prends soin d'elle, elle prend soin de toi, tu chéris, comment ça va, comment s'est passée ta journée, ou c'est pas parce qu'elle est restée à la maison qu'elle n'a rien eu à faire. Respecte la fille de toi. Est-ce que tu sais que le travail, le fait que les femmes font un travail encore plus fort même que toutes celles que tu rencontres au bureau, c'est pas parce qu'elle n'a pas soulevé des dossiers. Elle a soigné les enfants, elle était infirmière, elle a fait comment, elle était chauffeur, elle a peut-être conduit les enfants à l'école pour amener, elle a joué au pressing, elle a lavé les habits, elle a été la cuisine, elle a préparé, elle a. Donc, regarde tout ça, ça c'est un boulot. Tu ne peux pas la respecter. Tu arrives là. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait du point? Ta tête grosse, quoi, Kungolo Janja, ta grosse tête là. Hein? Tu es la fille d'autrui. C'est bon. Elle travaille et tu devrais même lui donner un salaire. C'est parce qu'elle est à la maison que tu ne vas pas la respecter. Tu respectes tes assistantes qui sont au boulot des tocades comme ça. Là, on ne sait même pas comment ils ont fait pour avoir le poste. Elles ont peut-être fait promotion canapé pour être là. Elles n'ont même pas la valeur que ta femme est là, que ta fiancée est là. Hein? Sache comment honorer celle qui est avec toi. Tu rentres à la maison, bonjour chérie. Vous les frères là, vous les blacks, c'est à vous que je parle. On dit chérie, on dit pas, hey, toi la chose là. Quelle chose là? Quand tu montes sur elle, c'est une chose. Alors, bonjour chérie. Bonjour chérie, le travail qu'elle fait là, c'est le travail le plus noble. Moi, j'ai été femme au foyer pendant 20 ans. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Tu as l'impression d'être un rideau. Tu as l'impression de ne pas avoir de valeur. Surtout nous autres, on a été à l'école et puis tu ne travailles pas là. Tu as mal. Tu as mal. Quand c'est comme ça, tu détestes le monsieur. Ça tue l'amour. Quand tu vois que tu as l'impression que le monsieur ne se rend même pas compte que c'est pas vraiment. Oui, que c'est un sacrifice. Que pour toi, elle, bonjour ma chérie Carnelie. Voilà, que c'est un sacrifice qu'elle fait pour rester à la maison, pour que le foyer soit équilibré. Elle s'occupe des enfants pour que toi, dans ta grosse tête là, que tu puisses avoir la paix du cœur pour aller travailler. Ramène l'argent au moins ici. Quand tu ramènes l'argent, tu payes toutes les factures et tu enlèves l'argent. Tu dis, chérie, tu as été extraordinaire ce mois-ci. J'ai trop aimé ta cuisine. Tu t'occupes bien des enfants. Ça là, c'est pas pour la maison, chérie, c'est pour toi. C'est pour toi. D'accord? Tu donnes l'argent et tu l'honores. Tu achètes des pagnes, tu achètes des trucs. Bon, souvent, vous aussi, les gars, là, vous avez des sales goûts. Moi, je n'aime pas quand un mari va aller te soulever des chaussures que sa maman lui-même peut porter. Donne-moi mon argent, je vais aller ou bien on va ensemble. On va ensemble, on va aller acheter. Tu me dis, bien chérie, je vais te faire les courses. Et puis c'est toi qui tu dis, tu rentres dans la boutique, tu dis, chérie, choisis. Ah, quand tu fais ça, l'amour monte, température est matin. J'ai dit, ta nuit assurée. Oh, yeah. J'ai dit ta nuit assurée, mon ami. Tu l'honores, je t'assure que quand tu prends, tu dis, chérie, choisis ça. Elle accepte ton. Bonjour Nelly, elle accepte ton cadeau là. She's enjoying. J'ai dit de partager là. Partager. Ne dites pas seulement là que je suis assis sur le bouton de vérité. Merci Suzy, mais partagez. Mettez les noms de vos amis, taguez-les qui viennent apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je suis mariée, ça fait 20 ans.
J'ai eu des moments difficiles, je ne comprenais pas certaines choses. Trop de Bible, de versets bibliques dans ma tête. Dès qu'il y avait un problème, mon mari disait, toi, la Bible dit ça. Moi aussi, je disais, toi aussi, je connais la Bible. Donc, on se parlait comme ça. Et puis, je voyais que quand on faisait ça, on détruisait le foyer. Je ne faisais pas cacher. Plusieurs fois, je suis allée au tribunal et j'ai dit, moi, je vais divorcer. C'est pas parce qu'on tient la Bible. Les pasteurs que vous voyez souffrent. Les femmes des pasteurs souffrent. Les pasteurs ne connaissent pas souvent. Ils ne connaissent pas. Donc, quand ils viennent vous prêcher, ils ne peuvent pas vous prêcher les vraies choses parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas comment on entretient une femme. Ils ne connaissent pas comment on tient une femme. Ils ne connaissent même pas comment on la tient au lit. Il ne connaît même pas vivre avec la femme. Donc, tu crois que quand il va te prêcher quoi? C'est pour ça que je dis que moi, avant d'aller dans une église, je veux et je regarde d'abord. Quand je vais dans l'église, je regarde comment est la femme du pasteur. Comment est habillée? Comment est-ce qu'il traite sa femme? Est-ce qu'elle assiste derrière, loin derrière, avec le foulard et tout? Moi, je dis que c'est important pour moi parce que ce qu'il fait à sa femme là, c'est spirituellement, c'est ce qu'il va déposer dans ta vie. Donc, je veux un homme qui pousse sa femme. C'est-à-dire, quand il parle, il élève sa femme, il honore sa femme. Les réunions, il ne reçoit jamais une femme seule. Les pasteurs tocards, là. Toi, tu es quel pasteur toi seul, toute la gloire, c'est pour toi. Et puis, ta femme est assise au fond. Donc, toi seul avec les femmes mariées et autres, tout ça, là, tu es content. Tu es hein, ton égo. Non, moi, ça ne marche pas. N'allez pas dans ce genre d'église. Allez dans des églises où un homme honore sa femme et honore les femmes. Il dit à sa chérie, vas-y. Il pousse sa femme. Quand il est devant, elle est devant. Il tient sa femme. On va ensemble. Ça, c'est un homme de Dieu. N'allez pas là où il y a des tocards. Excusez-moi. Oui, il y a des pasteurs foufous. Donc, c'est de ça que j'ai. Un homme, ce qui tue l'amour, c'est un homme qui juste n'a pas, est toujours prêt à faire des scandales, à humilier sa femme. Que ça soit en public ou devant les enfants, tu insultes ta femme. Tu tapes la femme devant les enfants. Ah, frère, tu es en train de semer, tu es en train de détruire ton foyer. Ne dis pas, la femme sache bâtir le foyer et l'homme sache qu'est-ce qu'il fait. D'accord, la Bible parle de la femme, mais et l'homme? Fouille ta Bible. La Bible dit que tu aimeras cette femme-là comme toi-même. Et Marie, aimez vos femmes. Un homme qui aime sa femme ne peut pas lui porter main. Et ne dit pas à la femme que non, quand je te tape là, c'est parce que je t'aime. Et puis la femme aussi, tocade, elle dit, yeah, c'est parce qu'il m'aime qu'il me tape. Non, un homme qui aime une femme ne peut pas la taper. Il n'y a pas de rapport entre la violence et l'amour. L'amour protège, l'amour cajole. L'amour, c'est plein d'attention, plein d'affection. Je n'ai jamais vu l'affection qui donne des coups de poing. Qu'est-ce que c'est? Non! L'amour, c'est comme on appelle, c'est tu flirtes avec elle même après que vous ayez 5-6 gosses. Tu la dragues, tu continues de la courtiser, de lui acheter des fleurs, de lui envoyer des poèmes, de lui faire des SMS dans la journée, lui dire chérie, je pense à toi. Tu comprends? C'est ça. Et c'est pas toi aussi à la maison parce que non, le ménage a dépassé, tu es dépassé, donc toi et tout, tu ne peux. Prends ton téléphone, vers 10h, il est parti à 7h30, vers 10h là, tu lui envoies un petit message, bonjour chérie, comment tu vas? Et puis tu continues tes trucs le soir vers 16h, tu sais qu'il va rentrer vers 18h, tu dis chérie, je t'attends pour ce soir, tu comprends? C'est comme ça on fait. Et puis quand on dit tu attends là, tu vas laver tous tes dessous propres. Faut pas nous présenter des dessous avec les traces des pneus ou bien les dessous déchirés. Vous les femmes mariées là, on se connaît ici. Hein? Le mari, il y a des hommes mariés, quand ils me parlent, tu es découragé. Hein? Un peu de propreté, les draps de la chambre, un peu du propre là, un peu de parfum, un peu de romantisme là, des petites, tu vois les bougies parfumées qui dégorgent une bonne odeur, pas l'encens, pas les bougies de l'église catholique, mais des bonnes petites bougies bien décorées, une chambre propre, bien arrangée, c'est pas que le mari pour passer, il y a des valises ici, il y a ceci, c'est là, des armoires, donc c'est le parcours du combattant, entre bonjour Justine, entre la porte de la chambre jusqu'au lit, le gars doit transpirer, donc tellement de pagailles, il se retrouve même pas, des draps qu'on ne change pas depuis près d'un mois, ça c'est quoi? Ma chérie, tout c'est quoi tout ça? Voilà, faut pas faire copier-coller des paroles parce que chez nous là-bas, les papas, lui, maman, il traitait maman comme ça, donc c'est ça. Non, chacun a son foyer, toi tu dois faire mieux. Hein? Et puis aussi, effet, merci Anémone, et ces femmes qui tapent les hommes. Toi tu es quelqu'un dont, elle, costaud comme ça, quand le mari fait quelque chose, elle vient, quand le mari dit à moi, elle attrape les oreilles là. Soulève les oreilles du mari, puis elle l'amène dans la chambre. Allez, passe ici. Et puis tu vois, le mari dit, mais moi, on m'a dit qu'une femme, on ne tape pas, ma chérie. Et souvent, le mari peut taper et dit, aïe, 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 si je te donne ce coup de poing, tu ne vas pas tenir. Donc, tu vois, il supporte. Il y avait un grand prédicateur, Smith Wigglesworth, en Afrique du Sud. J'ai dit, il faisait des campagnes de près de 5000 personnes, des guérisons extraordinaires. Mais chaque fois qu'il finissait de prêcher, quand il rentrait à la maison, la femme le bottait. Elle tapait l'homme de Dieu correctement, jamais il n'a levé la main. Elle a fini par mourir. Vous pensez qu'elle va où comme ça? En enfer, ça c'est une insensée. Si je dis toka, vous allez dire j'ai trop mal parlé. Si je dis que non, ça c'est une mabou. Comment une femme bien intelligente peut taper son mari? Comment? Une femme intelligente, tu ne peux pas porter main au mari. Mais c'est quand même le chef de la maison. Tu lui serres le col là. Comme ça, le gars la langue sort.
chérie, laisse-les. Et puis les enfants sont là, maman, maman, tu vas tuer papa. Et puis tu es là, tu dis, toi, ta bouche, tu serres le col, et puis tu serres, et puis tu le soulèves même contre le mur, tu dis, blague avant. Et puis il blague, tu fais, j'ai des gens, coup, bah, le gars voit étoile, et puis il dit, ah, mais ça, c'est quelle femme? Et le gars, il va tailler, il va te laisser. Hein? Une femme qui prend les cendriers, tout, et tout, tout ce qu'est tout bouteille de whisky, quand, bah, tout ça. Parce que tu veux montrer que tu es une femme. Tu n'es pas une femme, tu es un monstre. Une vraie femme, c'est la douceur. Moi, je vous ai dit que vous m'entendez parler de tocade, ma boule, tout et tout. Quand je suis avec mon mari, c'est pas comme ça. Ah non, je tiens mon mari. C'est parce que, à l'église, demandez par exemple, pendant le... Je tiens mon mari. Je le tiens par la... Oh, je tiens le bras, je le tiens par la main. On se tient. Et les gens, quand ils voient ça, je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi-même. Je le fais pour moi-même, ok? Partagez la vidéo, que les gens soient impactés. Bonjour mon coach William, je vois que tu es arrivé. Que Dieu te bénisse. Merci avec maman Johanna pour l'accueil que vous m'avez réservé chez vous. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est pour ça que je dis, un homme, une fois qu'on est marié, puis tu arrêtes de me draguer là, tu ne m'intéresses pas. Tu vas me faire, mon cœur va quitter dans ça. Il faut continuer à me draguer, s'il te plaît. Même si on a eu 5, 10, 15 enfants jusqu'au bout. Drague-moi, appelle-moi. Appelle-moi chérie, ne m'appelle pas Sonia. Ça c'est pour tout le monde, ça c'est sur Facebook. Trouve-moi un joli petit nom là. Hein? Oh, toi tu dis. Il y a une femme qui a dit, moi je dis à mon chéri, maman, je l'ai appelé chaton. Le mari dit, moi, c'est moi tu appelles chaton? Tu m'appelles chaton, tu m'as vu comme un animal. Allez, ouh, il a tapé la fille. Toi tu es un agricole, un vertébré. Hein papa? Si on a dit chaton, c'est à dire mon petit chat. Ma maman est en train de rire là-bas. Hein? Oh non, chaton. Chaton, c'est pas une injure. Hein? Il y a une autre femme, la dernière fois, elle dit, oh maman, moi je lui ai dit, oh ma petite puce. Mon mari a dit, nga puce. Puce, il a convoqué la famille. Moi, chef, elle m'a appelé puce. Puce, elle a dit que j'ai des puces. Elle a dit non. Devant la famille, elle explique, non. Moi, j'ai dit, tu es ma petite puce, tu es mon petit... Non. Elle m'a insulté puce, nga. C'est le problème, c'est quoi? C'est ça, tu es parti soulever quelqu'un qui ne comprend pas ton langage de l'amour. Il faut apprendre. Faut apprendre, maman. Apprends à parler. Ça ne va pas te tuer d'appeler ton mari chéri. Même s'il ne ressemble pas à un chéri, même s'il se comporte mal, c'est à force de l'appeler chéri, chéri. Là, tu appelles à existence ce qui n'existe pas. Son cœur va descendre dougou, dougou. Il va finir par se calmer. Quand il veut te taper, chéri, ah, pardon, ne me tape pas. Chéri, papa, chéri, pardon. Vous voyez, chez nous, en Afrique centrale, on dit papa. On dit pardon, tu vois, papa, il y a une femme, moi j'appelle mon mari papa, il a dit quoi? Tu m'as insulté, tu crois que moi je suis ton père, mais non, Ezaka, respect, c'est le respect, vous aussi les hommes, les tocards là, apprenez le langage de l'amour, apprenez un peu de douceur, faut faire un peu de quand même, hein, ne soyez pas abrutis, ignorants, il faut vous intellectualiser émotionnellement et romantiquement, c'est ça qui va faire que ton foyer va durer. Hein? Oh chaton, hein? Oh puce, hein? Oh ma coccinelle, oh elle m'a insulté, tu tapes la fille de tout. Alors qu'elle a seulement appris chez Lady Sonia qu'une femme doit être douce, qu'une femme doit être bonne. Tu appelles à l'existence, tu appelles le roi qui est en lui, tu le célèbres, tu comprends? Voilà, donc vous les hommes, apprenez je vous en prie, surtout vous quand vous êtes en Afrique, surtout alors malheur à vous si vous prenez la Bible, on est mort, vous n'apprenez plus. Alors moi dans le livre de Cantique des Cantiques, vous allez apprendre comment on parle à une femme. Apprenez déjà à dire chérie, c'est pas beaucoup. Lisez Cantique des Cantiques, ça va vous apprendre de bonnes choses. Hein, vous les blédards. Oh non, gars, moi, une femme, nous, on fait, on est blanc, on casse la gueule et puis on dépose ça. Tu vas aller de femme en femme. Le problème, ce ne sont pas les femmes, le problème, c'est toi-même. Il faut que tu apprennes, tu avances. Bonjour, innocente, ça va, ma chérie? Hein? Voilà, et les femmes n'aiment pas ce que. Quand vous généralisez, oh non, toutes les femmes sont comme ça. Ma mère était comme ça. Mes soeurs, c'est femme, femme, c'est femme. Non, femme, c'est pas femme. Homme, c'est pas homme. Chaque homme est spécial. Chaque homme est différent. Tu dois apprendre le langage de cet homme-là pour pouvoir l'aimer selon qu'il aime. Quand je parle de langage de l'amour, les gens ne comprennent pas. Par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, tel que j'ai grandi là, on a grandi, papa avait toujours des domestiques autour de maman. Et il avait toujours des cuisinières et tout et tout. D'accord? Mais imaginez maintenant, quand je me marie, mon mari dit qu'il m'aime, il a les moyens. Et il estime que lui, il a toujours vu sa maman préparer avec le charbon. Où elle souffle là, elle souffle le charbon jusqu'à ses yeux deviennent rouges. Et lui, il estime qu'une femme, une vraie femme, c'est ça. Tu comprends?
il ne va pas chercher, il va dire que pour moi, une femme, c'est ça. Il va généraliser que toutes les femmes doivent cuisiner comme ça, une vraie femme, c'est comme ça. Alors que non, il est parti épouser une femme qui a été élevée par Ongonga. Ongonga, lui, quand il avait sa femme, il lui offrait les gazinières, il lui offrait des domestiques, il faisait tout à la maison. Même ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère qui l'a épousée, elle avait 16 ans, ils ont eu 15 gosses là. J'ai vu qu'il mettait tellement de staff autour d'elle. Donc moi, j'arrive dans le foyer, je lui dis, chérie, moi en tout cas, vraiment, j'ai besoin d'aide. Vas-y-toi. Une vraie femme, c'est celle qui frotte les habits avec la main. C'est celle qui souffle le charbon. Même si tes yeux deviennent rouges, là, ça veut dire que tu m'aimes. Non, papa, ça, c'est pas l'amour. Apprends le langage de l'amour de cette femme, celle que tu as épousée là. Comment, qu'est-ce qu'elle appelle aimer? Cherche, étudie ça. Observe cette femme-là. Comment est-ce qu'elle te montre qu'elle t'aime? Parce qu'en général, c'est ça. Elle va penser que c'est ça, son langage d'amour. C'est comme ça que tu peux savoir qu'est-ce qui fait plaisir à une femme. Peut-être que toi, c'est offrir des cadeaux. Alors qu'elle, elle estime que non, moi, c'est pas des cadeaux. Moi, c'est que tu me tiennes la main. Moi, c'est que tu me fasses des bisous ici. D'accord? Ou non, ou des bisous ici. Hein? Si tu viens faire le bisou ici, pour elle, ça, c'est la protection. Alors que pour elle, on lui a dit que quand on fait bisous dans le cou, ça, c'est l'amour. Toi, tu vas continuer de dire, moi, on m'a dit que c'est bisous dans la bouche. Bisous dans la bouche. Elle va dire, moi, il m'aime pas. Parce qu'il n'a, tu n'as pas cherché à comprendre que le bisou, pour elle, c'est ici. Donc, apprends son langage et aime-la à sa façon. Elle va te célébrer. C'est pas, les femmes, c'est pas toutes les femmes qui veulent les super wax et tout. Il y a d'autres, c'est vrai. Ça fait partie. On aime les cadeaux. On aime les fleurs. On aime qu'on nous offre, on aime qu'on nous aime, d'accord? Mais chaque femme est particulière, elle a été élevée d'une certaine façon qui fait qu'il faut que tu apprennes. Ne prends pas la fille d'autrui pour la mettre dans la maison et puis lui dire que tu vas l'aimer à ta façon. Non, aime-la à sa façon pour qu'elle se sente bien, qu'elle ait envie de rester avec toi, qu'elle ait envie de grandir, de mourir, d'accord? Maintenant, je vais rewind un peu. Au lieu de parler toujours des mariés là, je parle de ceux qui veulent une femme. Tu es fiancé, les fiancés là, voilà. Nous, les femmes, on n'aime pas les hommes qui viennent juste pour coucher, pour nous lever. Nous laisser la mougoupan là. Nous détestons ça. Premier jour, et moi, je parle de moi-même. Quand j'étais plus jeune, avant mon mariage, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience aussi. Gloire à Dieu, Seigneur. Et Yahwa, merci. Beaucoup ne peuvent pas venir ici pour dire, ouais, j'ai pas connu beaucoup. Parce que mon expérience, comme vous la connaissez, n'était pas bonne. Donc, voilà. Et je sais une chose, d'accord? Que quand tu rencontres un homme, et premier jour, il te dit, je veux manger ton biscuit. Tu es dégoûté. À moins que tu sois une fausse go. Si tu es une vraie go, ça te dégoûte. Donc, messieurs, dès le début, ne nous parlez pas de la fesse. Attendez un peu. Non, ne nous parlez pas de ça. Cherche à me connaître à l'intérieur. Comment est-ce que je suis à l'intérieur? Parce que la fesse, c'est les mêmes choses partout. C'est les mêmes paires de fesses partout. Il n'y a rien de nouveau là-bas. C'est seulement la couleur qui change. C'est tout. Le biscuit, là, c'est pareil. Mais donc, cherche à me connaître. Montre-moi que tu es intéressé par ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu viens directement pour manger, mougoupan, ah non, tu m'écœures, tu me décourages. Je ne peux pas t'aimer, même si je te donne et qu'on avance. Je suis désolée, tu vois, tu as cassé quelque chose. Il n'y a pas le respect. Tu comprends? Et c'est pareil pour vous, les filles, les tocades, là. Oh non, comme il est tellement bien, le premier jour, s'il a demandé là, moi je vais pouvoir donner parce que tu vois, les gars sont devenus difficiles en ce moment. Donc si je peux au moins. Le fait que tu as couché avec lui, ça ne veut pas dire qu'il va t'aimer. Au contraire, à peine il a couché avec toi, il t'a vomi. Il trouve que tu es facile. Les hommes aiment la chasse. Vous avez écouté le coach William la dernière fois, il a dit ça. Les hommes aiment ça, partir à la chasse. Ils aiment la conquête, c'est en eux. Maintenant, toi, à peine il t'a gratté ici là, tu as tout lâché, tu as tout donné. Mais ça, c'est quel genre de femme? Il va dire que tu fais ça avec tout le monde. Kanga ciseaux. Kangango, ferme tes jambes, bloque les frontières. Il faut qu'il fasse ça. S'il n'est pas prêt à payer le prix, à attendre, à te connaître correctement, d'accord? À te considérer, à te découvrir émotionnellement, spirituellement, physiquement, intellectuellement, à savoir qui tu es réellement et à dire que je t'aime en entier, ne lui donne pas cette chose-là. Ne lui donne pas le biscuit parce que quand tu lui donnes ça facilement, tu es en train de lui dire je t'aime tellement que je suis prête à ce que tu n'aies pas besoin à me connaître, prends tout pour toi, ce que tu cherches là, prends. Tu comprends? Et quand tu fais ça, un homme, il fait quoi? Il mange ton biscuit très bien et puis après il s'en va, il n'a pas trouvé de valeur en toi. Il faut que tu lui montres que ta valeur là, ça a de la valeur pour toi, ton corps a de la valeur pour toi, pas seulement parce que tu es une fille de Dieu, mais parce que tu es une fille bien élevée, une fille qui connaît sa valeur, une femme qui a de l'estime de soi ne peut pas écarter ses jambes n'importe comment, anyhow. Non, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Pareil, donc les hommes, vous me dites, oui, moi je n'aime pas écouter. Donc quand tu commences à parler, tu sens qu'un gars, il se perd dans tout ce que tu dis. Vous les sœurs aussi, j'ai toujours dit, si tu veux une amie, quelqu'un avec nous, on aime causer. Les hommes n'aiment pas beaucoup parler.
Les hommes, c'est plutôt tu vois, des stratégiques. Nous, on est au niveau des émotions. Si tu veux causer, là, cherche ta maman, cherche ta copine, fais des copines, cause. Mais non, ne saoule pas le gars. Si tu parles beaucoup, le gars va te fuir. Les hommes n'aiment pas ça. C'est toi qui es au courant de tout dans le quartier. Et c'est toi qui racontes tout dans la vie. Non, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça, tout comme nous les femmes aussi. Moi, il y a des hommes, ils parlent. Hein. Il y a des hommes, quand ils commencent là, ils te font la BCD de la Bible, du Coran, de tout. Et ils te racontent toute sa vie. Oh, quand il a fini, tu es même découragé, tu as vieilli, il y a plein de cheveux blancs sur ta tête. Non, d'accord, faisons un effort. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une femme qui aime un homme qui n'a pas de parole. Je vais le faire. Un homme, c'est un homme de parole. C'est ça qui fait que tu es un homme. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu promets quelque chose, tu le fais. Ne viens pas me promettre si tu ne peux pas me faire. Ne me promets pas que tu vas m'acheter un téléphone iPhone 7 Plus et tu ne me l'achètes pas. Voilà, Coach Jamel le dit. Nous, on n'aime pas le bavardage intempestif. Tu parles tout le temps, tu as la diarrhée verbale là. Ça fait fuir. C'est-à-dire, dès que le gars rentre du boulot, ou bien dès qu'il t'a croisé, il sait qu'il sera au courant de toi. Tu es busy body, donc 24 hours, pas partout 24. Nyawa, nyawa. Qu'est-ce que c'est? Non. Les femmes, toi. Carole dit, les hommes, quand vous parlez trop là, ça nous saoule. Un homme doit être classe, un homme vrai ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire, pour trouver son dedans, il faut creuser. C'est ça un homme profond. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un homme qui parle beaucoup sache qu'il a beaucoup de péché. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que quand tu parles beaucoup, tu finiras même par dire des choses qu'il ne faut pas dire. Surtout nous les femmes là, on écoute tout ce que vous dites. Donc si tu as beaucoup parlé, tu as dit quelque chose qu'il ne faut pas dire là. Nous on reste dessus. Même depuis 1900, on va te reposer la question. Toi, quand tu avais parlé là, en 1980, tu avais dit ça, ça, ça. Fais très attention. Donc, pour ne pas tomber dedans, gardez vos bouches. Fermez d'abord. Hein? Et puis, les hommes fauchés, là, pardon. C'est pour ça, moi, je dis, un homme, si tu n'es pas prêt, si financièrement, tu n'es pas prêt, laisse la fille d'autrui tranquille. Si tu n'es pas prêt, à moins que vous soyez déjà marié, si vous êtes dans le foyer, OK, et la galère peut arriver, mais on s'entend, on se soutient. Mais toi, tu es garçon, tu veux m'épouser, tu viens faire la bouche devant moi, tout et tout là. Et c'est toujours toi qui viens me dire, Pesanga Soumela, achète-moi, donne-moi, partage-moi, prête-moi. Ah, vrai, je ne vais pas te considérer. Non seulement je ne vais pas te considérer, mais je vais te virer. Je vais te virer. Parce qu'au fond de nous, je veux t'avoir en respect. Je veux pouvoir lever ma tête vers toi comme un chef. Je ne veux pas te voir en bas. Or, quand tu viens prendre l'argent chez moi, là, ça veut dire que ta main, la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Si je dois moi-même lever ma main pour mettre dans ta main, au bout d'un temps, je ne vais pas te respecter. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver deux fois. Mais pas tous les jours. Toi, tu es fauché. Tu es comment? Tu es comment? Hein? Et puis les hommes, vous êtes collés à vos mamans là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, ma soeur. Un homme va se méfier de toi. Si tu es toujours fourré dans les jupes, il va se dire que tout ce que tu fais avec lui là, tu dis tout. Je sais bien, papa et maman sont là. Il dit, tu vois, il va dire tout ce que je fais avec elle. Elle dit tout. Elle va tout dire à sa maman. Non, surtout dès qu'il n'y a pas là, ta maman aussi se met là. Elle appelle comme la princesse qui est sur le trône de Patraba. Appelle ton copain ici. Toi là, tu as fait quoi à ma fille, quoi? Non. Ça, c'est tu casses toi-même ton foyer. Ou bien si dans le mariage, ça ne va pas. Moi, je dis toujours, comme dans le foyer, ça ne marche pas. Pourquoi? Même si vous avez les témoins, vous n'êtes pas obligé d'appeler. Moi, quand j'ai eu des problèmes, les premières personnes qui ont voulu détruire mon foyer, c'était nos témoins de mariage, des pasteurs. Ils ont pris nos problèmes à l'époque. Ils ont partagé ça. Faites attention. Les pasteurs et les témoins. J'ai dit, quand vous avez des problèmes, réglez ça à deux. On s'assoit et on se parle. Vous devez être capable de régler vos problèmes. Quand vous faites l'amour, là, vous êtes à deux. D'accord. Maintenant, pourquoi quand ça ne va pas, vous allez aller appeler les gens dehors? Non. Ça, c'est casser le foyer. Même si, j'ai dit, même le témoin ne doit pas. Vous devez être capable de régler vos problèmes. Ça ne sert pas quand il n'y a pas l'âme de vous bouder. On ne se parle pas. Non. Asseyez-vous. On se dit les vérités. Dans l'amour, on apprend à ne pas être d'accord. Nous sommes deux personnes différentes. Donc, je ne suis pas obligée de voir les choses comme toi. Je ne suis pas obligée de percevoir la vie comme toi. Mais parle, je t'écoute. Hein, les sœurs? Quand un homme parle, tu aimes cet homme. La moindre des priorités, c'est de t'asseoir et d'écouter. Et regarde cet homme dans les yeux quand tu parles. Tu apprendras beaucoup de choses. Ce n'est pas la bêtise que tu fais. Quand un homme parle, il n'a même pas commencé à parler. Tu commences à parler. Moi, ma maman, mon papa, moi, tu vois. Tu n'as même pas écouté ce que le monsieur a te dit. Comment tu vas avancer? Comment tu vas connaître ce monsieur? Comment tu vas comprendre le fond de la pensée? Tu es là, tu assumes seulement, tu assumes. Même s'il a commis une erreur, laisse-le s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la maturité. Hein?
quand le tocard ne veut pas quoi, il veut. Mais hein, vous les hommes, et puis vous les hommes, souvent vous le faites, oh non, dès qu'une femme commence à parler, ah oh, je sais où elle veut aller, pas besoin de parler, pas... Non, c'est pas poli, ça tu es impoli mon frère. Assieds-toi, shut the hell up. Et écoute la fille, oh non, nous les hommes, on n'écoute pas les femmes, une femme. Ah, tu n'écoutes pas une femme, tu peux seulement monter sur elle. Tocard. Ça c'est un tocard, c'est un homme insensé. Un vrai homme, si tu es capable d'écouter ta mère. Ta mère, qui est la première femme de ta vie, qui t'a éduquée jusqu'à ce que tu sois comme ça. Tu dois être capable d'écouter cette femme-là parce que Dieu a mis quelque chose en elle. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, elles ont l'intuition, elles ont un sixième sens. Elle peut te sauver sur beaucoup de choses. Donc, assieds-toi, sois assez humble pour écouter, écoute les conseils. Même si tu ne vas pas prendre, écoute. Et puis, au bout d'un temps, tu te rendras compte que chaque fois que tu n'écoutes pas ta femme, tu te plantes. C'est Dieu qui a fait comme ça. Parce que Dieu a prévu que vous soyez un. Vous devez communiquer. Que ça marche ou que ça marche pas, assez, sit down, pose-toi et assieds-toi. Au lieu d'aller écouter tes amis, là, tes amis, ce sont des sorciers, ils vont te faire du mal. Tu as compris? Ok? Je te dis la vérité, si tu passes ton temps avec les amis, en cas de problème, ils vont tous te fuir, mais c'est cette même femme-là que tu n'écoutes pas aujourd'hui qui sera là pour toi. Avec elle, tu as des enfants. Elle ne va pas te planter, à moins que ce soit une sorcière, une tocarde, une mabouliste. Mais si c'est une vraie femme, elle va prier, elle va interroger son Dieu et puis elle va te dire, papa, moi je pense qu'on doit faire comme ça, comme ça. Ce n'est pas elle le chef, elle te suggère seulement, vous les soeurs, vous m'entendez? C'est pas vous qui commandez, quand quelque chose ne va pas, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Mais toi, tu peux faire des suggestions, on conduit à deux, il y a le pilote et il y a le copilote. Le pilote, c'est lui qui donne la direction. Mais tu ne verras jamais dans l'avion, le copilote dit, moi je tourne l'avion à gauche. Et puis le pilote dit, moi je... Non. Il y a un seul chef. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Même si tu n'as pas envie, c'est lui qui commande. Et lui, le chef de ton mari, là, c'est Dieu. Si ça ne va pas, si ce qu'il prend comme décision, là, ce n'est pas bon. Prie, invoque ton Dieu. Dieu va lui parler. Dieu va lui... Oh, sinon, Dieu va coincer, si coincer, coincer. Il finira par revenir faire ce que tu avais dit. Au lieu de t'affronter, tu deviens comme un homme, tu deviens, ça devient la boxe à la maison. Moi, je t'avais dit de ne pas faire, d'aller, tu saisis le mari là. Hey, moi, je vais te taper, lui aussi te saisit. Donc, vous êtes là, vous vous saisissez le col tous les deux. Aïe, aïe, aïe. Grande sœur, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'une femme, c'est comme ça? Et tu veux garder le mari? Il va partir. Hey, frère, est-ce que c'est comme ça? Tu sers l'école d'une femme. Est-ce qu'on sert l'école d'une rose? Est-ce qu'on sert l'école d'une femme qui porte la vie? Est-ce qu'on tape une femme qui, elle porte la vie? Elle, même si c'est une droguée, quoi, c'est une femme. Dieu a prévu quelque chose dans sa vie. Elle peut te faire du bien. Dès lors où tu l'as épousée, je t'en supplie. Je t'en supplie, donne-lui la considération, le respect. Tu iras loin, ton foyer sera calme. Tu auras un havre de paix. Elle va pouvoir s'épanouir et t'aimer comme il faut dans ce foyer, te traiter comme un chef. Si, si, elle n'est pas tocarde, tu vois. Hein? Vous, je veux bientôt finir en parlant des hommes qui ne sont pas romantiques. Allez, papa. On veut bien se soumettre à vous, mais il n'y a rien qui tue plus l'amour qu'un homme qui est strong rural background. Donc, un tocard du village. Il y a des villageois qui sont classe. Hein. Il y a des villageois qui sont classe. Mais un homme qui ne sait pas aimer une femme, à connaît pas à demander. Si tu ne connais pas, demande. Aujourd'hui, il y a tout sur Google, Internet. Va, tape comment on aime une femme. Va, comment être romantique. Tu vas prendre des idées. Tu vas venir aimer la fille d'autrui comme il se doit. Si tu... Hey, frère, tu ne peux pas me dire qu'une femme, tu vas l'appeler. Hey, toi là. Et puis la nuit, elle aura envie de toi. Non. Tu peux pas dire, toi, va à la cuisine là, tu l'arrives à minuit, va faire le foutou là, elle va taper foutou, nyam, bouc, 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 à minuit. Toi, tu es quel genre de gars? Ça, c'est quel romantisme? Oh, mais tu es une femme, toi, la chose, comme, surtout que vous aussi, dans les familles, on vous dote maintenant, on vous dote à 2 millions, c'est normal. La dot est excessive, donc le monsieur te traite, maintenant il dit, tu vas rembourser tout ce que ta famille a bouffé là. Non, my sister, non, mon frère, apprends à aimer la femme. C'est une femme, si elle ne ressemble pas, hein? Tu vois, alors, si elle a toujours les mêmes données que tu avais aimées dès le début. D'accord? Mais ça ne dépend que de toi d'impacter ça. D'impacter ce qu'elle a là. Donne-lui les moyens. Que de prendre l'argent pour donner dehors, elle va s'arranger. Et puis drague ta femme. Drague ta fiancée tous les jours. Il faut qu'elle retombe amoureuse de toi tous les jours. Ça doit être ça ta mission. Pour que tu sois heureux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu aimes quelqu'un et que cette personne est heureuse, à cause de là, elle va se réjouir. Et c'est toi qui seras heureux. Elle va ouvrir les jambes là-bas, il y a matin, midi, soir. Biscuit, tu vas manger. Hein? Elle va bien préparer. Quand tu arrives, sois un champion, sois différent.
De temps en temps, on n'a pas dit que tu ailles chez le grand fleuriste. Quand même, tu ramasses des jolis bouquets de fleurs. De temps en temps, tu es même une femme musclée avec les biceps et les mollets de ta santé. On veut des bisous. Même moi, je viens, tu me vois, tout le monde dit, oh Lady Sonia. Hey, j'étais à Paris, là, il y en a deux ou trois qui m'ont croisé dans la vie de Paris. Il y en a qui commencent à Lady Sonia. Arrêtez ça. Nous sommes des soeurs. Il n'y a pas de star ici, là. Qu'est-ce que c'est? Mais même moi, là, quand je parle, que je suis à côté de mon mari, je me sens comme une reine. J'ai besoin d'être aimée. J'ai besoin qu'ils me disent qu'ils m'aiment. J'ai besoin qu'ils me disent que je suis la plus belle, même si en réalité, je ne suis pas la plus belle. Mais je veux qu'ils me disent qu'à ses yeux, je suis la plus belle, même si j'ai eu 6 enfants. Même si, vous savez, moi, mon mari a assisté à tous mes accouchements, sauf un. Et c'est lui qui a coupé le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'il m'a vu dans toutes les positions vilaines, là, où les pieds sont comme ça, et puis je suis en train d'expulser mon enfant. La sage-femme, elle est là et tout. Mon mari a vu ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il m'a manqué de respect. C'est pas au contraire, il a eu plus d'égards parce qu'il savait que chaque fois que je mettais au monde pour nous deux, ma vie était en jeu. Il y a des femmes qui meurent sur la table. D'accord? Si tu peux apprendre à célébrer cette femme, si tu peux apprendre à respecter cette femme, respecter c'est quoi? Donne-lui de la considération. Tu ne peux pas prendre tes amis pour primer sur ta femme. Ou ta copine, tu dis que tu veux épouser cette fille-là, quand vous sortez, tu es assis avec tes amis, tu dis, et puis tu es en train de la critiquer, la go, elle ne comprend pas. Ou bien, mais j'avais une de mes nièces, là, elle m'a écrit, maman, vraiment, j'ai un problème, ma tante. Hein, quand je couche avec mon fiancé, là, il raconte tout ce qu'on fait aux amis. Est-ce qu'un homme fait ça? Et ça tue l'amour, tu la choques. Tu couches avec elle, tu racontes aussi, là, quand tu la vois, là, ses fesses, là, sont comme ça, j'ai appuyé son pied comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'un enfant de Dieu fait comme ça? Est-ce que la fille là va t'aimer? Tu peux dire, oh, moi je m'en fous de tout, mais tout se paye sur terre. Quelqu'un va te rendre ça. Tu sais que les femmes aussi font ça. Hein, les femmes? Vous vous retrouvez là et vous racontez, oh la longueur, oh la profondeur, tout. Vrai ou faux? Je suis une femme, je sais que je faisais ça avant. Vous, tu dis, hey, tu le vois marcher comme ça, là, va arrière. Et on fait ça, mais ça tue l'amour. C'est pas parce qu'il n'a pas entendu, mais spirituellement, la Bible dit que fais attention à ce que tu dis, parce que même un oiseau peut attraper ce que tu dis, et il l'entendra. Le diable n'est pas, il va prendre le gars l'avant, entendu. Tu sais quoi, quand il a entendu ça, c'est fini, c'est mort. Les hommes n'aiment pas ça. Que tu racontes leur intimité, donc ne faites pas ça. Causer de beaucoup de choses, parler de Hollande, parler de Donald Trump qui se comporte comme un tocard, parler de ça, parler de l'escargot au marché, parler du foutu banane, parler des marques, parler de tout. Mais ça là, ça se protège. L'intimité, on ne sort pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je vais revenir vendredi, on va continuer. Je voudrais juste vous dire que ça ne dépend que de vous, que votre foyer marche. Ça ne dépend que de vous. Que vous soyez heureuse avec l'autre. Mais il faut que vous asseyez, que vous communiquez. Parlez beaucoup ensemble. Apprenez à vous connaître. Apprends à connaître le langage d'amour de l'autre. Quand William, coach William parle, Johanna doit s'asseoir et le regarder en face. Je l'ai toujours dit dans mes coachings. Si vous voulez plus, prenez des cours de coaching. Quand j'aurai fini la série, pas maintenant. Je finis toute ma série. S'il y a des points qui sont difficiles, revenez. Asseyez-vous. Quand William parle, sa femme doit s'arrêter pour faire. Rien n'est plus important que quand ton mari te parle, si tu veux que ça marche. Tu vas découvrir même des choses qu'il ne te dit pas. Tu vas connaître le fond de ce monsieur-là. C'est important. Il y a des femmes, quand j'ai fait des coachings avec elles, leur foyer a décollé. Des femmes qui étaient au bord du divorce, elles sont allées même au tribunal. Il y en a beaucoup que j'ai coaché ces mois-ci. Où on disait que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Fini, j'ai dit c'est encore possible. La femme sage bâtit le foyer. Ma chérie, même si l'homme là t'a échappé et tu vois, vous êtes mariée et puis il t'a dit, c'est... on peut encore arranger. Alors, on disait aujourd'hui que nous allons continuer de parler. Je reçois beaucoup de personnes qui ont fait des tentatives de suicide à cause du cœur. Bonjour ma chérie Laetitia. Beaucoup de stars, les stars que vous adulez là sont morts. Les Dalida, Mike Brandt, etc. Vous les voyez se suicider. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai marché avec des gens qui avaient, bonjour ma chérie Laetitia, des gens qui avaient des milliards dans leur compte en banque, mais qui étaient malheureux. Tout simplement parce que la personne que vous aimez bonjour Gracia, ça va Chimène? Bisous à toi. Ne vous redonne pas l'amour. Donc, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir un compte en banque bien fourré, bien fourni, mais ne pas être heureux. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit pour toi de déposer ton orgueil de côté. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, dépose ton orgueil de côté et puis assieds-toi aujourd'hui, on va parler.
D'accord. J'ai déjà vu des gens qui ont 100 000 euros par mois, mais qui m'appellent, qui me disent, j'ai de l'argent dans mon compte, mais je suis malheureux. Ils ne savent pas comment vivre. Ils n'ont pas de priorité pour leur vie de famille. Ils n'ont pas de vie. Vous comprenez? Ce n'est pas le plus important. L'argent, c'est important pour servir au bonheur de votre famille. Mais si vous vivez comme un chien, je suis désolée, l'argent ne vous servira pas à grand chose. Donc, soyez mature avec moi pendant ces temps où je parle de ces choses-là. Asseyez-vous, déposez l'orgueil et puis je vais vous parler comme une femme. Je vais vous parler comme une grande sœur, je vais vous parler comme une amie, je vais vous parler comme une coach, je vais vous parler comme une pasteur, je vais vous parler, on va se parler, donc Zakala, comme on dit chez nous, assieds-toi, dépose ton hypocrisie, dépose tes comédies à côté là, dépose tes adultères, ta misère, et puis laisse-moi te parler, laisse-moi entrer dans ta vie et te dire ce qui ne va pas, comment tu peux faire pour changer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, mais moi quand tes vidéos là, c'est souvent une heure de temps, mais c'est moi qui fais la vidéo, je perds mon temps, mais je sais que je sème. Mais moi je dis, toi tu as 37 ans aujourd'hui, tu as passé 37 ans de ta vie, regarde-moi, tu as passé 37 ans de ta vie à jouer à la tocade et tu veux qu'en une heure de temps, même en 15 minutes, que je rectifie ta vie, ça ne marche pas comme ça. Il me faut du temps. Si tu as pris 37 ans de ta vie pour te comporter comme une mabouliste, il me faut du temps pour t'enseigner. Donc, c'est pour ça que je vous dis de venir chaque fois vous suivre les lundis, mercredis, vendredis de 13h. Je suis là. Je vais enseigner, je vais vous parler, je vais dire les choses pour vous aider. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés. Au fur et à mesure, on va avancer. Soyez simplement présents. D'accord? Et quand je parle, c'est bien que vous mettiez vos likes. C'est mieux de partager. C'est pas grave. Voilà, c'est bien de partager, mais c'est encore mieux de changer. Écoutez, pour changer, le bonheur, quand je parle ici, là, c'est pour toi. Je ne suis pas en train de parler aux absents. Ne me dis pas, dites aux autres, il y en a qui me... Depuis que tu as commencé à parler, maman, il faut dire ça aux autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de... Tu changes, toi. C'est à toi que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler pour les autres. Parce que c'est toi qui dois être heureux. Et il n'y a pas de recette miracle. Il faut que tu investisses pour que ton foyer marche. Quelqu'un m'a dit, mais la différence entre un homme et une femme. Je vais te parler aujourd'hui, là. Je vais te parler aujourd'hui. Parce que si tu es dans une relation sans savoir avec qui tu es, tu perds ton temps. Donc, je vous dis de taguer quelqu'un, partager. J'aimerais vous dire que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il y a énormément d'hommes qui souffrent. Bonjour, ma chérie Rachel, Barakissa, Patricia, bisous à vous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des femmes qui... Vous passez votre temps, vous les femmes, à vous plaindre des hommes. C'est parce que les hommes ne parlent pas. Mais il y en a qui souffrent de la tocardise des femmes. Quand ils sont fiancés, quand ils veulent vous épouser, quand ils vous ont épousé, il y en a qui souffrent. Ils ne peuvent pas parler. Ils vont aller où? Donc, il y en a qui m'écrivent, mais je vous assure, ne généralisez pas. Pareil, les femmes aussi souffrent. Une femme, par exemple, tu sais que ton mari est diabétique, mais toi, tu ne prépares pas pour lui. Ta spécialité, c'est de rester couché dans ton canapé en train de regarder les télénovelas, en train de faire les Facebook et autres. Je suis désolée, tu es une sorcière. Après, tu me dis, non, moi, depuis qu'il m'a épousée, il me néglige. Mais c'est toi la première à négliger cette personne-là. Tu n'es pas sérieuse. Hein? Tu te négliges, tu te chamailles, dès qu'il ouvre la bouche, tu es prête à te battre. C'est pas comme ça. J'ai envie de parler aux hommes. J'aimerais poser la question à vous, les hommes qui êtes sur cette page. Pourquoi est-ce que vous êtes mariés? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Je parle à ceux qui veulent se marier et à ceux qui sont mariés. Bonjour Guy Laurent, comment ça va? Bonjour Bella de Brésil. Répondez-moi. Une femme, je comprends qu'une femme, nous avons besoin d'être aimée. Nous avons besoin d'être protégés. On a besoin qu'un homme prenne soin de vous, de nous. Mais j'aimerais que les femmes me répondent. Pourquoi est-ce que tu t'es mariée? Pose-toi la question. C'était pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux réellement faire de ton foyer? Est-ce que c'était seulement pour avoir de l'argent, avoir du sexe à foison? Ou bien c'était pourquoi? Pour toi, c'est quoi le bonheur? Je vous pose la question. C'est à vous de me répondre. C'est à vous de me répondre. Ça ne sert pas de me dire, oh non, moi, je suis mariée, mais c'est-à-dire que rien du tout. C'est-à-dire que c'est à toi de tout faire pour que ta vie change, que ton foyer soit le meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? J'aimerais savoir, vous les hommes qui me suivez aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre foyer? Je vais vous dire les femmes, le secret d'un homme, c'est qu'un homme veut être respecté. N'oubliez jamais ça. Un homme veut être célébré. Un homme veut être aimé. Une femme, elle veut être célébrée. Elle veut être aimée et elle veut être respectée. Elle veut se sentir protégée. C'est ça, le foyer. Bisous, Joël. Vous comprenez? C'est pour ça que quand elle peut travailler, elle peut avoir l'argent, mais l'argent ne va pas la célébrer. L'argent ne va pas la célébrer. Toi, tu es une femme, mais quand elle est avec toi, monsieur, et que tu ne sais pas complimenter ta femme, tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses, d'accord? Une femme, même si elle travaille, monsieur, c'est ton rôle de prendre soin d'elle.
Ce n'est pas parce qu'elle travaille, elle travaille pour ses petits besoins. Ce n'est pas parce qu'elle commence à travailler que tu vas dire non, maintenant comme tu travailles là, dans toute la maison, c'est toi qui fais tout. Non, elle veut être protégée. Elle a besoin de sentir son homme, de sentir qu'elle a un chef, quelqu'un qui veille sur elle. Quelqu'un qui veille sur elle, d'accord? C'est pas parce que ta femme travaille, mon ami, que tu ne dois plus lui donner de l'argent de poche pour acheter le lait de toilette. C'est-à-dire quand l'argent vient de la main de ton homme pour toi, ça a un autre goût. Ça, ça va ajouter au sentiment de l'amour. Mais un homme, si une femme travaille et que tu ne fais rien pour elle, tu ne fais plus rien pour elle à la maison, tu ne fais plus rien pour elle, à quoi tu sers? Finalement, elle peut être seule. Finalement, c'est comme si elle est seule. En ce moment, elle ne sent pas qu'elle a un homme. Le fait d'avoir un homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui protège, qui prend soin, qui a des égards. Est-ce que tu comprends? C'est pareil pour une femme. Là, tu me dis, ouais, non, mais moi, je suis tellement occupée. Tu ne prépares jamais pour lui. Ou bien pire, quand tu t'en vas, c'est ta maman qui prépare pour lui. Ou bien seulement la domestique. Il ne mange jamais ce qu'il y a dans ta main. D'accord. Et si tu travailles, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais au moins le soir, quand tu es là, c'est toi qui dois entendre. Il doit manger ce que tes mains ont préparé. Il doit manger ce que tes mains ont préparé. Surtout si c'est un homme qui est malade. Tu sais que lui, il fait un régime sans sel, sans ceci, sans cela. Toi, tu le laisses, il se débrouille, il est obligé d'aller manger au restaurant. Tu es une sorcière. Il peut mourir parce qu'il a mangé trop de sel, parce qu'il a mangé trop ceci. C'est quoi ton problème? Après, tu vas me dire, non, moi, dans le foyer, ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça ne marche pas. Ou bien il va se lever la bonne pour partir, tu vas encore te plaindre. Oh non, moi, le gars là, c'est un bordel, lui et tout. C'est toi qui l'as poussé dehors. Un homme, c'est pas beaucoup plus que ça. Vous les hommes qui passez votre temps à insulter la famille de la femme, sans cette famille-là, tu n'aurais pas cette femme. Ton langage, comment tu parles de sa famille, je t'assure, ça casse quelque chose dedans. Ça casse quelque chose dedans. Dès qu'il y a un problème, tu insultes le papa de la fille, tu crois qu'elle va t'aimer? C'est parce que Dieu a bien voulu sur cette terre-là, qu'elle vienne sur cette terre, on a utilisé un tel et un tel. Tu leur dois honneur, ce sont tes parents, monsieur, ce sont tes parents. D'accord? En plus de ça, comme tu sais, un homme, les femmes qui s'amusent à manipuler les hommes, les sentiments, oh non, moi, quoi, on appelle le biscuit là, le piment. Les Camerounaises disent vendre le piment. Toi, pour qu'on te donne, pour qu'il fasse tout ce que tu veux, tu lui vends le piment. Oh, si tu ne me donnes pas ça, je ne te donne pas aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas ça, je ne te donne pas aujourd'hui. Tu ne donnes pas aujourd'hui quoi? C'est le riz, c'est la sauce, c'est la bague, c'est quoi? Hein? Ton biscuit là, ça mange le béton, le ciment. Oh, je vends le piment. Mais tu es une vendeuse de piment, tu es une banditas. Hein? Comment on appelle ça? Vendeuse de piment. Ton mari t'a épousé, il t'a doté, il a tous les droits. Ton kangi ciseau là-bas. Quand je dis kanga ciseau, c'est pour les tocardistes de dehors, quelqu'un qui ne t'a pas épousé. Mais pas dans le foyer. Tu fermes tes jambes pourquoi? Tu es là-bas pourquoi? C'est le stage. Hein? Oh non, moi, sinon, il n'est pas gentil, il n'a pas fait. Quitte là-bas, oui. Tu t'es marié pourquoi? Pour faire quoi? Le regarder. Après, tu commences à dire non. Hein, il commence à aller dehors. Même si c'est moi, je vais aller dehors. Hein? Si tu ne me donnes pas de ceci, je ne libère pas le piment. Je ne donne pas le piment. Quoi? Sinon, abstinence. La Bible dit tu renverses toi-même ton foyer. Tu renverses toi-même ta propre maison. Hein? C'est ça aussi. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est la vérité. Hein, Aurélie, vrai ou faux? Des banditas comme ça, ça c'est des bonnes voyelles. Merci de cacharelles. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Un homme aussi, tu ne veux pas que la fille d'autrui travaille. Quand on l'a mis au monde, là, on l'a mis au monde pour toi. Espèce d'ingrat. Hein? Elle n'a pas une famille, elle n'a pas un cerveau, elle ne peut pas servir dans ce monde-là. Le monde aujourd'hui, tu as les Johnson, tu as les Angela Merkel. Le monde aujourd'hui est en train de voler. Il n'y a que toi, un tocard comme ça, là. Tu es né en 1900, tu as gardé ta mentalité de là-bas. Tu vas prendre une jolie fille, une fille qui est un diamant pour ses parents. Les parents ont investi en elle, on l'a emmenée à l'école. On a pris, les parents ont pris sur la maman tous les jours, on a fait les vaccins de cette petite-là, jusqu'à ce qu'elle grandisse. On a payé l'école, on a fait pour qu'au moins cette petite soit bien. Parce qu'elle t'a croisé dans ta sorcellerie de mauvais cœur, ta grosse tête-là, tu prends la fille d'autrui, tu la cales à la maison, tu dis non, 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 moi une femme ne doit pas aller au travail, elle ne doit pas travailler. Moi la place d'une femme c'est à la maison, sauvage, sorcier du 21e siècle. Il n'y a pas plus sorcier que toi, espèce de mabouliste. La première personne qui devait former cette femme-là, qui devait pousser cette femme à devenir la meilleure, c'est toi. Si tu es capable de monter sur elle, tu dois être capable de la faire monter dans la vie. Sorcier va. Tu crois que la sorcellerie, c'est seulement ceux qui sont sur les balais la nuit en train de dire je vais te manger, je vais te... Ça, c'est de la sorcellerie. Tu appelles ça quoi? La fille de toi, hein? On l'a mis au moins. Laisse-la au moins travailler même pour soutenir sa famille. Sorcier, tu ne penses qu'à toi. Tu veux simplement qu'elle soit là, en train de te préparer la nourriture. Si tu t'occupais au moins même d'elle, donne-lui au moins un salaire. Elle doit être là tous les jours. Donne-moi un, je vais acheter la pommade, je vais acheter le vernis, quoi. Tu ne sais même pas t'occuper d'une femme. Mais c'est toi qui ouvres ta grosse bève, là, ta bouche, là, appuyée sur verset biblique pour dire, la Bible dit, il faut que tu restes à la maison. Sorcier, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça que Dieu t'a dit. La Bible dit que quand Jésus marchait, là, il était toujours entouré des femmes. Donc, elle n'était pas à la maison. Faut quitter l'en va passer.
C'est quoi cette maboulista? Hein? Oh, tu es incapable d'amener la fille devant et puis tu es là, tu la retardes, espèce de retardeur d'épanouissement. Tu es incapable de l'encourager. Dès qu'elle elle travaille, si elle a une promotion au boulot, dans ton cœur, là, ça se sait. Tu es jaloux. Jaloux, égocentrique, sorcier du 21e siècle. En plus, ça, si au lieu au moins tu assurais, tu es un vrai tocard là-bas, là, tu es comme ça. Tu ne fais rien de ta petite vie. Tu n'es même pas capable d'enjoy la fille comme il se doit, de l'honorer comme il se doit. Tout ce que tu sais faire, elle n'a qu'à préparer pour toi. Mais prends une cuisinière. C'est la fille de quelqu'un, c'est un précieux diamant. Tu ne peux pas t'en occuper correctement. Si tu ne peux pas t'en occuper, passe en chemin. Hein? Et puis vous les hommes là, spécialité de vous là, est-ce que c'est correct? Vous jouez avec les sentiments des femmes. Hein? On vous a dit, tu peux jouer à la dame, tu peux jouer au ludo, tu peux jouer aux cartes. Mais Dieu vous a dit que non, c'est bon, il faut prendre les sentiments d'une femme, on joue avec. Oh non, est-ce qu'on va se marier? Tu dis, oh je sais pas, hein? Je sais pas. Et puis demain tu l'appelles, après demain tu l'appelles pas, elle est dans la maison, tu t'amuses avec elle, tu veux la provoquer, qu'elle s'énerve. Et puis toujours vers 19h, tu commences à provoquer comme ça, dès qu'elle va s'énerver, tu vas sortir pour aller chez tes copines de dehors, tu vas ramasser les maladies là-bas. Hein? On va commencer à prier pour vous là. Quand tu vas dehors là, ça va pas s'élever. Ça va rester jusqu'à ce que vous changez de comportement. Mais oui, ça c'est la sorcellerie, il faut que ça vous atteigne. C'est pas possible. Les filles ont été trop gentilles, mais apprenez à prier. Si c'est ton mari légal, tu te rends compte que chaque fois vers 19h, il commence à chercher par là, il veut pas manger, il fait ceci, il fait cela, tout ça là, pour que tu te fasses comme ça, il va sortir. Et puis quand il va sortir, quoi, j'ai dit, on prie, et puis quand il va dehors là, ça marche pas, la chose là reste, paya. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais dis donc, oh, mais comment donc? C'est quoi cette affaire là? Hein? Et puis vous les sœurs aussi. Nous les femmes, hein, dès qu'il n'y a pas la... On ne pardonne pas. Monsieur a demandé pardon, oh pardon. Toi là, cimetière ambulant, tu prends tout ce qui était passé là, tu prends, tu mets ici, tu te balades, il m'avait fait ceci, elle m'énerve, hein. Tous les gens sont en train de me dire, maman Seigneur, coach, mon mari là, c'est un sorcier, mais tu avais aimé le gars, là. Il m'a fait ceci, mais tu ne me dis jamais ce que toi tu as fait. Tu ne me dis jamais ce que toi tu as fait. Et puis tu es là, si quelqu'un s'est mal comporté, ton homme s'est mal comporté, il t'a demandé pardon. Si tu ne peux pas pardonner, calons-leur, va-t'en. Mais ne reste pas avec lui pour lui pourrir la vie, pour l'intoxiquer. Hein? Tu ne peux pas choisir. Si tu es une chrétienne, tu pardonnes. Si tu trouves que tu ne peux pas pardonner, va-t'en. Que de rester... voilà, tu restes là tous les jours. Il m'avait fait ça. Tu ne peux pas tourner la page. C'est quoi ton cœur là? C'est une saleté. Je vous ai enseigné dans Stop, mon cœur n'est pas une poupée. À ne pas garder des saletés. Le passé, il est passé. Si tu as demandé pardon, tu as décidé de rester avec lui. Et mais ça veut dire que tu as accepté de pardonner. Si tu acceptes de pardonner, on n'en parle plus, on enterre ces choses. Toi, tu es toujours avec la hache de guerre. Tu es toujours là prête à déterrer. Dès qu'il y a un problème, tu m'avais fait. En 1900, tu m'avais dit. En 1900, what's the problem? C'est quelle bêtise? C'est quelle bêtise? Hein? Non, ma copine. Une femme sage, tu recherches l'unité, la stabilité de ton homme. Tu comprends? Tu comprends? Voilà, un homme qui est incapable de soutenir sa femme publiquement. Hein? Quand elle fait mal, tu es devant tout le monde. Vous avez vu cette femme-là, vous avez vu, elle a fait ceci, vous avez fait. Et puis la nuit, tu viens monter dessus. Ça, tu es stupide. Tu n'es pas intelligent. Un vrai homme célèbre sa femme. Même si elle a mal fait, j'ai dit, dehors là, tu la couvres. Même l'air ne doit pas passer. Tu la protèges. Ta famille ne doit jamais insulter ta femme. Et puis toi, tu es là. Et tu es là. Tu crois c'est toi-même qu'on insulte. Vous êtes un. Quand on insulte ta femme, et puis tu es là, tu crois pas, tu dis à ta femme, on doit te respecter pour toi-même. Tu es un tocard. Un vrai homme doit protéger. Bonjour, mon coach. Bonjour, mon coach. Je suis content. Mon coach Darcy. Voilà. Un homme, on ne peut pas toucher ta femme. Ta maman n'a pas le droit de mal parler à ta femme. De ce quoi la gifler. Et puis elle vient, elle insulte. Et puis c'est ta maman qui gère ton foyer. Et puis toi, tu dis que tu es un homme. Tu es chef de foyer, ça. Tu crois que Dieu est avec toi, Dieu te soutient même pas. Dieu souffle sur toi, tu es incapable. Dieu, à la limite, Dieu a envie de te retirer même de la tête pour donner un vrai gars à la fille. Hein? Tu es là, toujours dans les jupons de ta maman. Toutes tes soeurs sont au courant de tes problèmes. Jusqu'à tes soeurs quittent chez toi pour venir taper la fille de toi à la maison. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que ça, c'est un homme? La Bible dit, la femme sage bâtit le foyer, d'accord. Et l'homme sage fait quoi? Tu croises les bras, tu ouvres ta bouffe dehors ou bien tu baisses tout le temps ta braguette dehors. Sorcier. Ma boule, poubelle ambulante. Tu déconnes. Mon frère, tu déconnes. Laisse, j'ai dit ici, là, moi, je ne suis pas pasteur. Hein. J'ai déposé l'habit de pasteur. Ici, là, c'est coach. Je te parle, bête. Si tu ne veux pas, va sur d'autres pages. Il y a plein de pages où tu auras été cajolé. Vé, ailleurs. Ici, là, je te dis la vérité. Si tu ne veux pas changer, cale en l'air. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, j'ai avancé. Bonjour, Joe. Non. Hein? C'est pas possible. Une femme,
Tu dois la protéger. Si elle a mal fait, c'est à la maison, entre vous deux. Tu vas dire, chérie, comme tu avais fait là, c'était pas bien. Prochainement, on ne refait plus ça. Regarde, quand tu fais ça, 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 là, ça veut dire ça, ça, ça. Il faut savoir reprendre ta femme. C'est ça qu'on appelle l'amour. La vraie amour. C'est pas devant les gens. Eh, voilà. Toi aussi, tu es une femme aussi stupide. Tu connais même pas faire le foufou. Tu commences à sortir les défauts de la femme. Tu es en train de mettre ta nudité dehors. Stupide à ton cas. Hein? Tu es incapable de la protéger, incapable de la soutenir, incapable de la pousser devant. Tout ce que tu sais faire, c'est de l'insulter, insulter. Tu es un toxique sa vie et tu t'attends la nuit à ce qu'elle soit une vraie femme fraîche, à ce qu'elle te reçoive. Elle va te recevoir quoi? Hein, ma bouliste comme toi, mais moi je te reçois pas. Oh, après tu sais le premier dit, mais toi tu prenais non, la Bible dit, laisse la Bible tranquille, hein, parce qu'un jour Dieu va sortir de sa Bible là pour te gifler, tu vas comprendre. Non, mais c'est pas possible. Hein? Et vous les sisters, hein, votre spécialité d'aller chez les féticheurs. Parlons-en un peu. Tu dis que tu es chrétienne devant tout le monde là, toi et tout. Mais tu as fétiché le gars là, toi-même tu sais. On a pris, tu fais manger tes menstrues là à l'homme là. C'est devenu comme un mouton. Maintenant Dieu a fait grâce, l'enfant d'autrui passé un jour devant une église et puis le nom de Jésus l'a délivré. Ses yeux sont ouverts, maintenant il veut plus te sentir. Maintenant tu viens m'appeler pourquoi? Oh non, il y en a qui m'ont dit que j'avais fait les fétiches pour attacher cet homme là. Toi tu es ma boule. Stupide, maintenant ses yeux sont ouverts, il ne veut plus te voir, il t'a vomi, qui va arranger? Même Dieu ne te soutient pas. Et toi, tu vas faire les fétiches pour avoir un homme? Alors que la première sorcière, c'est toi-même? Tu es incapable de prendre soin de cet homme-là? C'est quoi? Tu es incapable de prendre soin de toi-même, de toi-même, de ton foyer, de ton mari? Tu es parti courir chez le diable? Tu crois que quoi? Le diable, quand il te donne, quand il reprend, c'est mbataboubou, c'est pour ça que ton mari est dans toutes les culottes du quartier. Hein? Tu as fait manger tes monstrues au monsieur d'autrui, à l'enfant de quelqu'un. Hein? Et si on soulève ton lit là, il y a plein de canaries là. Vous qui me likez sur ma page là, feu sur vous si vous avez ça dans vos chambres. Si vous avez attaché le monsieur d'autrui aujourd'hui là, allez reprendre ça, allez détruire ça au nom de Jésus. Vous me brûlez ça. Et je dis, s'il y a un homme sur ma page qui a été envoûté, s'il y a une femme qui a fait, au nom de Jésus, sois libéré. Que la puissance du Saint-Esprit brise tes chaînes, que tes yeux s'ouvrent et chasse-moi cette fille-là quand tu reviens en toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu as des enfants, ça c'est pas une femme. Une femme là comme ça, c'est une poubelle. Une femme qui va faire des fétiches pour envoûter le monsieur. Tu es une sorcière, tu es une sorcière. Hein? On te dit de prendre les cours, on va t'apprendre à être une femme. Tu as le coach Darcy, coach Thierry, tu as les Jules, les Bettina, les comment on appelle hein? Tu as plein de coachs. C'est quoi ton problème? Tu préfères la facilité. Hein? Tu t'en vas t'asseoir, chez les fétichés. On n'a qu'à féticher le monsieur, on n'a qu'à féticher. C'est ce qu'est sorcellerie. Enfant de quelqu'un. C'est un enfant de Dieu. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est parce que tu te comportes mal. Quitte-la, change. Si tu peux changer, allez, va-t'en. Tu vas ensorceler le monsieur d'autrui. C'est vous les femmes là, vous. Et puis vous m'écrivez un tocade comme ça. Vous me dites oui, non, mais moi quand j'avais fait ça, c'est parce qu'on m'avait dit que Dieu ne faisait rien, Dieu ne sauvait pas, donc moi aussi je suis allée. Hein? Tu connais le diable? Tu connais le diable? Le diable c'est maintenant là, quand il te donne des coups de poing pour te casser tes dents là, tu mérites ça. Tu mérites ça. Hein? Parce qu'une vraie femme ne peut jamais aller chez un féticheur pour donner ses ongles, ses cheveux et puis même les poils de son truc là. Oh, il fait le fétiche, il n'a qu'à rester avec moi. Ça c'est quelle sorcellerie? Tu es quelle femme? Hein? Tu es quelle femme? Tes ongles et tes cheveux sont dans le chez le féticheur. Tu ne sais pas que c'est ça. Il a volé ta vie, il a volé ton bonheur. Va prier, va annuler ça. Annule ça. Confesse, cherche quelqu'un, cherche un homme de Dieu, un véritable. Pas vos tocards de pasteurs là aussi qui embrouillent le peuple. Tu cherches un vrai homme de Dieu, tu confesses, on va prier pour toi. Tu détruis tout ce qu'on t'a donné aujourd'hui. Là, ne venez pas me liker ma page si vous êtes dans ces... J'ai dit feu du Saint-Esprit sur quiconque est dans ces pratiques de fétichisme là. Vous avez ensorcelé les gens et puis vous venez faire like sur moi là. J'ai dit au nom de Jésus que ma page vous brûle. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça n'a qu'à faire. Hein? Et vous les hommes là, hein? On parle de fétiches, d'accord les filles. Mais vous, toi tu bois comme un trou. Je te demande, mais pourquoi tu bois? Tu es en train de détruire ta famille. Oh non, mais moi j'ai trop de problèmes quand j'arrive à la maison là. Tu es un lâche. Parce qu'un vrai homme affronte. On t'a dit que les péchés, les problèmes disparaissent quand tu bois ou quand tu prends la drogue. On t'a dit ça? Non, hein? Les péchés savent nager. Quand tu bois là, ils font, oh nager. Et puis quand c'est fini là, le problème dit, nous sommes encore là. Donc tu fais quoi? Tu vas aller boire encore. Tu peux pas chercher Dieu. Tu peux pas assumer comme un homme. Dieu ne t'a pas abandonné. Hein? Tu peux prier, Dieu va régler les problèmes dans ton foyer, tu peux trouver un travail. Tu crois que boire et fumer et la drogue, c'est la solution? Quelle est cette femme qui va t'aimer si tu bois? Hein? Et je vous t'informe, les hommes qui boivent, là, qui fument, qui ont la drogue là, en bas, là, ça ne marche pas bien. Oh, les femmes, elles aiment les gars, vaillants, pour qu'ils te l'ont passé. Oh, non, sincèrement. Hein? Vous attachez l'esprit des hommes, l'homme est devenu comme un mouton.
mouton, il te suit dans tout ce que tu fais. Hein? Et après, tu crois que quoi? Mais ça se gâte. Au bout d'un certain moment, ça se gâte. Hein? Et vous, les femmes spécialistes des dettologies, tu es dans toutes les dettes. Oh, les tontines, donc les côtés. J'ai horreur de ces bêtises-là. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Tu te mets avec des païens, des femmes qui ne prient pas pour cotiser. Hein? Et puis, à la fin du mois, on fait des tours. Maintenant, quand tu prends l'argent là, tu t'en vas encore ajouter des dettes. Ton mari ne sait même pas. La Bible dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Bonjour Belinda, tu es là en train d'emprunter, mais est-ce que ça c'est de Dieu? Dieu dit, tu ne peux pas prospérer comme ça. Le sommeil que tu as là n'est pas un bon sommeil, tu aimes quand les... Est-ce que c'est bon? Oh non, moi, j'ai emprunté. Tu aimes vivre au-dessus de tes moyens. Tu sais que ton mari n'en a pas. Ton mari n'en a pas. Mais tu es là en train de prendre des dettes. Quand on vient, on tape à la porte, on casse, on vous embête. Le monsieur ne peut même pas dormir en paix. Ça le blesse, ça le choque. Il se demande, mais c'est quel genre de femme? Tu es dans les dettes, oh les dettes. Et tu es indiscrète, ta bouche à tous les secrets de ton mari sont sur la place du marché. Ta meilleure amie connaît toute ta vie jusqu'au jour où elle va te raser, tu vas comprendre. Il n'y a pas d'amis. Hier, je parlais avec un de mes amis, bisous Ili, et qui était en train de me dire, Sonia, quand tu étais à Brazzaville, les filles que tu emmenais, tes copines là, que tu emmenais même chez tes couturiers, tout et tout, dès que tu es partie, qu'est-ce qu'elles n'ont pas sorti? Il n'y a pas d'amis. Une femme qui veut réussir son foyer, tu ne peux pas emmener une copine dans ton foyer. Ton foyer, c'est ton intimité. On n'expose pas le foyer. Bonjour, prophète Dolphy. Bisous à toi, que Dieu te bénisse. Hein? Une femme, ça, tu as des copines et ce sont tes copines qui t'emmènent dans les dettes. Et quand tu prends les dettes, les bailleurs viennent tout et tout, comme mon argent, ton mari est même choqué. Il est humilié, souvent il n'a même pas l'argent, on froisse ton mari. Et tu crois que ton mari va t'aimer? Et puis ça, ton problème c'est quoi? C'est les copines, parce que ta copine, elle en a toi aussi tu veux. Tu ne me verras jamais, je n'ai pas de copine. Mes amis, ce sont mes enfants, mon papa, ma maman, mon petit frère et mon mari. Et point, je n'ai pas d'amis, je n'aime pas les amis. Ça ne t'emmènera nulle part, si ce n'est que des problèmes. Hein? Oh, ma soeur, quand même, please. Non, hein? Et avec tes copines, elles vont tirer les verres du nez tout et tout, alors que tu ne sais pas qu'elles sont en train de t'envier. Elles envient même ce que tu as. Elles te disent, non, il faut le laisser, lui là, c'est un faux gars. J'ai dit, si tu as gesté la tête, tu tournes la tête, elle est là. Elle va te dire, tu sais, moi je disais à ta femme, toi tu connais pas les copines. Elle va venir, elle va lui faire le zouk serré, chewing-gum, bien taquer ton gars là. Maintenant, après, tu vas commencer à dire, elle m'a volé le mari. Mais ça sera trop tard. Tu as été insensé. Tu as déjà entendu où que une femme qui a beaucoup d'amis, ça marche dans le foyer. Hein? Non. Et vous les hommes là aussi, quand on parle comme ça, les femmes, vous êtes contents, vous êtes comme vous là aussi. Hein? Hein? Vous n'aidez pas vos femmes à la maison. Oh non, la maison, la Bible dit. Quelle Bible? C'est de quelle Bible tu parles? Tu lis ta Bible en la renversant. Oui, oui. Parce qu'un vrai homme dans la maison, là, il aide. Un vrai homme ne peut jamais dire, hé, hey, ton enfant là, ton fils là. Quand on a fait l'enfant, quand on était en train de coucher à deux là, c'est pas tous les deux on a fait l'enfant là. Maintenant, quand l'enfant l'a fait mal, que tu dis, la femme, ma femme là, tu as mal éduqué l'enfant là. Mais toi, tu étais où? Parce qu'un vrai homme, il éduque ses enfants. C'est l'homme et la femme ensemble. On a conçu ses enfants ensemble. On éduque les enfants ensemble. On les élève ensemble. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est ensemble. Tu es là, tu dis, si ton fils là me fait ceci, cela, tu vas sortir du foyer, espèce de sorcier. Ma boule. Un vrai homme ne peut même pas sortir ça de sa bouche. Tu as sorti du foyer. Pourquoi toi tu sortirais pas? Pourquoi c'est elle qui va sortir? Hein? Tu ne peux pas te considérer. Un homme, sa place est aussi à la maison. Et quand elle est à la cuisine, tu es à côté d'elle. Chérie, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux couper ceci? Est-ce que je peux faire... C'est ça qu'on appelle un homme. Apprends, même si c'est sauce vinaigrette, tu dis chérie, montre-moi. Et c'est ça qui met l'ambiance. Tu es en train d'éduquer tes enfants que le foyer, c'est le bonheur. Tu es avec ta femme, tu la couvres, tu prends soin d'elle. Mettre la table, tu peux mettre la table pendant qu'elle prépare. Tu peux laver l'enfant. Mon maman, je vous ai dit, il a coupé les cordons ombilicaux des enfants quand j'ai accouché. Il changeait les couches. Biberon, il donne. Il n'y a pas ça ici. Bah, amour, on ne lui demande même pas. Ah, chérie, ça ne va pas. Et même, vous savez, chez nous, on a fait quand on met au moins nous, les femmes, on nous fait l'eau chaude. L'eau chaude pour que le corps, hein, tu vois, les courbatures et tout, en général, ce sont les mamans qui font ça au pays. Moi, quand j'accouchais en France, je n'avais pas quelqu'un qui me fait ça. Mon mari, il attache paille. On est dans la douche. Il me jette l'eau chaude. Il prend la serviette. Il tape sur mon dos, quoi, ce que les femmes font. Hein? Quand il fait ça, mon amour monte. Mais toi, tu es là, t'as qu'à chercher une femme là. Quoi, on n'a qu'à voir ta nudité. C'est ta nudité là. C'est à toi de prendre soin d'elle. Et puis tu dois être la surveille, protège. C'est ça un homme. Oh non, moi, tes enfants là, que Dieu te gifle. Je répète, que Dieu te gifle. Et tu es toujours là, tout et tout. Hein, avec tes secrétaires là, des tocards de ma bouliste comme ça. Non, mais arrêtons tout ça là.
Hein? Un homme qui fuit ses responsabilités, moi je ne peux ni l'aimer, ni l'estimer, ni rien. Je veux un homme responsable. Je veux un homme, quand j'ai un problème, je peux me tourner. Je n'ai même pas besoin de parler. Il voit, il sait, il prend action. C'est pas tes bêtises là. Frère, juste on supplie. Arrivé à un moment, il faut s'asseoir. J'ai dit aujourd'hui, dépose ton orgueil là. Zakala, assieds-toi, on va parler. On parle. Frère, à soeur, toi aussi tu déconnes. Hein? Bonjour, oui. Non, je parle aussi pour les hommes. Il dit, ça pique, mais c'est doux, mais bien sûr. Hein? Vraiment, une femme, tu ne prends pas soin de ton mari. Ou de, tu es une fiancée. Souvent dans les fiançailles, le gars te regarde. Hein? Il regarde ton comportement. Il, tu ne le regardes même pas. Les femmes au foyer, là. Hey, elle est toujours là. Hey, moi, mais par contre, il m'a foutu, je mets la pommade et tout. Tu ne regardes même pas si ton mari, quand il est sorti, est-ce qu'il a lavé sa chemise? Est-ce que la chemise est lavée? Est-ce que le col est propre? La Bible dit qu'il est respecté aux portes à cause de sa femme. Tu dois vérifier que ton mari, avant de sortir, les cheveux sont peignés. Qu'il est parfumé, qu'il a une pochette, un stylo quelque part, une petite lunette de soleil, hein, et qu'il n'a pas un pantalon troué, et qu'il a changé son caleçon. Les hommes, là, quand on dit que c'est un premier bébé, c'est ton premier bébé. Hein? Toi, tu ne gères pas ton foyer. Tout ce que tu as fait, c'est de faire le tour des églises pour dire qu'on n'a qu'à prier pour toi. Qui va prier pour toi? On ne veut plus prier pour toi, il faut quitter là, avec tes fausses perruques, là. Tout ce que tu sais faire, porter les perruques, les rouges à lèvres, puis t'asseoir, t'as dit que la beauté, c'est un métier. Tu ne peux pas changer un peu. Hein? Et j'ai dit, hein, si ce que je dis là, ça ne te plaît pas, va ailleurs. Je m'en fous de toi. Je répète, si ce que je dis sur ma page là, ça ne te plaît pas, cale en l'air. C'est moi, j'ai parlé, c'est ma page. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Le Saint-Esprit m'a dit de dire les vérités ici. Je dis, si tu n'es pas content, allez. Il y a plein de pages qui ont besoin de toi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu as compris? Bon. Bonjour Bérénice, hein? C'est la secrétaire au boulot qui est en train de voir. Hey, patron, on n'a pas peigné les cheveux. Patron, la chaussure quoi? Après, il te rase ton gars et puis tu commences à dire, hey, mon mari est parti. Insensé, tu as renversé ton foyer. Le mari ne peut pas quitter la maison sans que tu aies regardé. Sa valise, quand il voyait, c'est toi qui regardes. Comment tu vas savoir ce qu'il ramène? Peut-être qu'il ramène les cadeaux d'une autre femme dans la valise. Mais comme tu n'as pas départ, tu ne connais même pas ce qu'il y a dans la valise. Il peut ramener des caleçons en soie que sa maîtresse lui a donné. Comment tu vas savoir? Tu n'as pas fait la valise au départ. Non, bien-aimé, il faut arrêter. Hein? Il faut que tu prennes soin de ton mari. Ses chemises ne doivent pas être froissées. Ses cheveux doivent être peignés. Aucun pantalon troué. Il faut apprendre à coudre. Tu crois que c'est ça une femme? Il va sentir que quand il est avec toi, c'est différent. Avec toi, il y a du bonheur. Parce que tu prends soin de lui. Un homme, quand tu le célèbres, quand tu prends soin de lui, quand tu fais de lui une priorité, il n'a pas envie d'aller dehors. Tu le mets au... Je peux t'aider? Alors. Non, bien aimé, les soeurs là, vous, je suis fatiguée, vous me faites prier pour rien. Hein? Et puis vous les autres, les mazos là, les hommes là, toujours en train de demander des choses bizarres, tu viens sodomiser la fille d'autrui. Tu, c'est biblique. Hein? Oh non, moi je vais dehors parce que ma femme, elle ne me donne pas le derrière. Là-bas là, c'est interdit, sorcier. On a détruit Sodome et, on a détruit Sodome et Gomorre à cause de ça. De ça. Moi, il y a des femmes qui m'ont écrit, m'ont dit, maman, mon mari me sodomise chaque fois. Et quand depuis qu'il me sodomise, je le vois comme un animal. Elle ne t'aime plus. Elle te voit comme un chien et tu es content. Hein? Toi aussi, la femme là, oh non, trop de Bible dans la pluie. Oh non, quand je suis dans la chambre. Et ouais. Faut enlever la timidité là-bas, quitte là. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Il t'a donné un esprit de force. Prends le monsieur dans toutes les positions. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a que la sodomie qui est interdite. Tu le chéris bien, bien, bien. Tu le sors là. Quand il a fini, il sait que ça, c'est femme. Et puis, vos affaires de kanga makolo. Tu as kangi makolo. Pourquoi? Tu fermes tes jambes avec ton mari. Pourquoi? Et tu viens me dire, il a trouvé une autre femme. Même si c'est moi, je vais trouver 10 dehors. Un homme a besoin de cette affaire-là. Mais tu crois que quoi? Et puis quand on dit de donner là, il faut bien donner entièrement. Ça, bon, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ça, c'est dans le cours qui arrive. Prenez mes cours. Il y a des choses là-bas que je dis. Oh, toi, c'est toujours la routine. La position Jésus-Christ sur la croix. Donc, tes deux bras sont posés là comme un sac de riz. Tu es là. Et puis, c'est fini, c'est fini. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse, toi? Hein? Prends position, j'ai dit Kama Sutra. Apprends, si ce n'est pas ton mari, tu vas faire ça avec qui? C'est comme ça que les tocards de dehors te ramassent ton mec. Ils ramassent ton homme. Un homme là, c'est pas plus que ça. J'ai dit, tu prends un peu de chocolat dans la maison. Un peu des fruits là, bien, bien. Tu arranges bien le lit. Toi-même, tu mets une bonne musette, pas les slips déchirés, troués. Hein? Une belle musette là. Tu te parfumes bien, tu arranges les cheveux, même les cheveux parfumés, shampoing. Vous qui êtes nappy là, à partir de aujourd'hui, j'ai refusé, je ne suis plus nappy. Je vais aller déviser mes cheveux. Tu mets bien le parfum là, bien, de telle sorte que quand tu vas. Et puis tu vois, non, tu t'arranges. Quand tu passes, voler ta nuisette avec un petit dessous affreux. Et puis quand tu passes là, tu le regardes, tu vois là. On se comprend, hein. Tu le regardes, et puis tu dis que tu passes devant lui, tu fais semblant de t'abaisser pour ramasser quelque chose.
Hein? That's what I'm saying. Tu ramasses la chose doucement et puis tu le regardes derrière. Est-ce qu'il va pouvoir? Mais c'est ça. Toi, tu es là. Jésus sur la croix. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Et puis tu es là. Et puis c'est fini. Puis il est là. Le pauvre monsieur, il se dit. Fini. Ah, même si c'était moi, je vais dehors. Attends, mon conna, quel ibanda, je m'en vais dehors. Je te dis, ma chérie, il faut arrêter ça. Et puis dès qu'il veut te toucher, la Bible dit, je suis en jeûne. Quel jeûne? La Bible, ça là, la Bible a dit, on ne prive pas l'un de l'autre. C'est pour lui, c'est. Eh, ma chérie, même Dieu va dire, eh, Yahweh. Dieu va te dire, arrête d'être toka, donne, libère la cité. Ouvre les ciseaux. Correctement, donne ça. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Partagez, je vous dis de partager. Partagez. Ton biscuit là, c'est pour lui. Hein? Est-ce que tu m'as compris? Arrête-moi cette affaire de fermer tes jambes stupidement là. Ça, on n'en a pas besoin. Tu as besoin de reconstruire ton foyer. Hein? Mets du parfum, rase tes aisselles. Tu es fâché contre le citron. Non! Voilà les fétiches, voilà. Tu prends le citron, tu frottes bien là. Comme ça, la transpiration là, voilà. Et puis tu sens bon. Les filles là, vous allez chercher les parfums jolis, soit qu'on lave les cadavres avec là, pour mettre. Et puis quoi, même moi-même, tu tues toi-même ton foyer. Ton mari, quand il sent l'odeur, hey, Yahweh, il veut s'évanouir. Un sale parfum. Hein? On prend des parfums qui respirent les fleurs. Oh. Et vous les hommes aussi, quand on veut se donner à vous avec vos pieds qui puent là, des chaussettes trouées qui puent, que vous n'avez pas nettoyé depuis là, on est fatigué. Qu'est-ce que c'est? Lave tes chaussettes. Hein? Dès qu'il enlève les chaussettes, on s'évanouit. Les mouches même commencent à. Les mouches se battent pour sortir de la chambre. Taillot, de quoi? Il a enlevé les chaussettes, les moustiques, les mouches, tout le monde fouille. Oh! What's the problem? Change-moi ça. Aïe, yeah. Hein? Tes pieds puent. Dès que tu enlèves la fille, elle veut de s'évanouir, elle veut vomir. Elle a le désir est parti. Wayenda. Le Saint-Esprit te dit, yeah. Ah, non. Hein? Tu portes des petits, comment on appelle les débardeurs, moi j'appelle ça cinglé. Comme ça, ça retient. Je parle aux hommes, hein. Il faut être propre. Moi j'aime les hommes. Tu as le swag, tu es choco, tu vois, de temps en temps un petit jogging, de temps en temps un petit jean, tu vois, non. Faut pas te faire un vieux pépé là, nini caca. Hein? Tu as une fille choco comme ça, et puis tu t'habilles un vieux pépé, et puis tu dis, je suis comme je suis, si tu veux pas, tu laisses. Elle va te laisser partir. Il y a des jolis gars dehors. Faut pas croire, même nous les femmes, quand on prend la Bible là, quand vous marchez là, on regarde aussi le derrière. On regarde tout. Je regarde le style. Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il postillonne? Tu vois, il y a des hommes quand ils parlent ici, là, c'est blanc là. We don't like it. No more. Interdit. D'accord? Tu dois avoir toujours des bonbons mentholés pastillés dans ta bouche là. Quand tu parles, ça sent bon. Hein? Les yeux bien nettoyés, les cheveux bien coupés, chemise propre. Comme disait mon coach, des chemises blanches. Tu vois, non? Tu es nickel là. Tu as déjà vu le prophète Doski? Quand il se fâche, comment il se sape? Ah! Prophète Doski. Non, faut laisser ça. Les femmes aiment ça. Un homme, quand mon mari s'habille bien, je dis yaman. Mais de temps en temps, mets-moi ta petite casquette, tu vois, non? Pas tous les jours, tu as accroché à ta ficelle de cravate, là. Kéké. Tu vas où? Même à tout moment, tu as ta ficelle. No, no wonder. Busybody. Please now. Hein? Il faut me charmer, monsieur. Il faut draguer ta femme. C'est parce que tu l'as épousée, puis tu l'as mise à la maison, que tu ne peux plus la draguer. Il faut la séduire. Tu t'habilles pour elle. Tu lui dis, chérie, comment est-ce que tu veux? Moi, j'accompagne mon mari chez le coiffeur. Hein? Et c'est moi qui dis au coiffeur, on coupe cheveux là comme ça, ici. Parce que c'est pour moi. Qui va regarder? C'est moi. Si moi, là, ça ne me plaît pas, là, ça ne me plaît pas. Hein? Likez, partagez. Taguez le nom de vos amis, là. Vos amis tocard, là. J'ai dit, partagez ça, là. Et ça va sauver beaucoup de gens. Peut-être ça te dit rien, mais quelqu'un d'autre sur ta page ne va pas te dire. Quand tu vas partager, là, ouais. Ils vont te dire, hé, maman, ce que la maman l'a dit, c'est pour ça que ça n'allait pas. C'est pas une affaire de jeûner et de prier. Le passé a gêné, tiens, jusqu'à. Il est fatigué. Nous, on a parlé juste, j'ai dit aujourd'hui, là, on décortique les choses vraies. Wayenda, c'est fini. Hein? Les femmes disent, non, moi, là-bas, j'allais vous donner le secret pour qu'en bas, là, ça soit serré. Ça, là, je dis pas ici, ça sera dans mon cours. Il y a des stratégies. Quand tu fais le Kama Sutra avec tout ce qui a bien nettoyé, bien fermé, là, calé en l'air. Non, voilà, avec toi, ça ne doit pas être la routine. Toujours la même position. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Hein? Non, je t'ai dit, ça, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Les hommes, faites un effort. D'accord? Hein? Une femme, tu dois être capable d'impressionner ton mari. Impressionne-le pas seulement avec ta beauté. Pas seulement en faisant des enfants, toutes les femmes peuvent faire. Mais il faut que tu l'impressionnes à tous les niveaux. D'accord? Tu les impressionnes, Dieu a prévu que tu impressionnes ton mari. Le mariage, c'est pour être heureux. On doit être heureux en amour, on doit être en partenariat, tu vois.
Je te pose la question, monsieur, pourquoi c'est cette femme que tu as épousée? Parce que tu l'aimes. C'est toujours la même femme, même si elle a grossi, même si elle est devenue comment, c'est toujours la même femme. Tu peux encore l'aimer, c'est à toi de choisir d'aimer ta femme. C'est un choix, c'est une décision. Peu importe ce qui s'est passé, d'accord? Tu n'as pas voulu d'une autre, c'est elle que tu as voulu. Il y a une raison là, d'accord? Si tu n'es pas heureuse, la faute à qui? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux? Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu appelles être heureux? Pourquoi? C'est quoi être heureux? C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui te rend si malheureux? Il faut que tu t'asseyes, que tu saches. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on peut encore arranger. D'accord? Est-ce que tu comprends? Ça ne dépend que de toi, c'est possible. Un homme, je dis toujours, faites la différence, mes soeurs, entre un homme et un garçon. Un homme aspire au respect. Un garçon, lui, il aspire à s'amuser. Si tu es mal tombé, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tu es seulement mal tombé. Celui avec qui tu étais, c'est quelqu'un qui voulait s'amuser. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais un vrai homme, il aspire au respect. Il aspire à l'admiration. Il veut que sa femme l'admire. Donc, de temps en temps, il faut le flatter. Ah, chérie, tu as des biscottos, hein? Tu es musclé. Ah, même quand il a changé l'ampoule de ce... Ah, merci, chérie, c'est gentil. Apprends à dire merci, toka. Apprends à dire des bonnes choses à cet homme-là. Les hommes-là, c'est comme ça. Il faut que tu lui dises, ah, merci, merci. Quand il prend ses responsabilités, il dit, ah, merci, chérie. Vraiment, j'ai su que j'avais un homme. J'ai un homme. Merci. Il veut que tu le considères. Hein? Il veut se faire voir. Il veut qu'on le respecte. Un garçon va te dire, lui, il veut que ses potes voient que lui, il collectionne les filles, tout et tout. Il se fait une expérience, il allonge ses forfaits. Mais un vrai homme, c'est pas ça. Un vrai homme veut l'admiration de sa femme. Il veut que sa femme soit admirative. Il ne cherche pas à collectionner, mais à se poser. Donc, toi, mon frère, quand tu collectionnes les filles, là, ça veut dire que tu es encore un garçon, tu es un nourrisson, on va venir te changer la couche. Ah, il faut mûrir, papa. Il y a un temps pour tout. Tu as couché toutes les filles, là. Depuis que tu as couché, ça t'a donné quoi? Tu te débats là-bas, tu perds ton énergie, tu perds tous tes esprits. Elles t'ont envoûté, on t'a fait les sorties, là, on t'a fait même manger les règles chez les femmes, là. Si tu étais à la maison, c'était pas mieux? Cette femme-là, si tu prends soin d'elle, hein, que de donner l'argent dehors, là, elle va s'arranger. Voyage avec ta femme, fais des bonnes choses. Tu vas voir qu'elle va prendre soin d'elle. Et puis, elle va te célébrer. Hein? Il faut assumer. Si tu as mal fait, demande pardon. Et rectifie ton comportement. Efface tous les anciens numéros des tocards de dehors. Là. Je t'en supplie. Oui, les deuxièmes bureaux, les troisièmes tiroirs, etc. Là, tu n'en as pas besoin. Ça peut bien se passer avec ta chérie de la maison. Hein? Une relation misérable, ça ne sert pas, ma chérie. Si tu es avec un fiancé, tu vois que non, déjà ce qui te montre là, bonjour Fabrice, ça va? Ce n'est pas bon, ma copine, dis-lui de caler en l'air, avance. Hein? Il ne faut pas que tu t'accroches à un homme qui te montre déjà que dans le foyer, tu ne seras pas une priorité. Il ne saura pas te célébrer, il ne saura pas t'aimer. Laisse-le. Hein? Il ne faut pas te marier par peur d'être seul. Oh non, je vais vivre ceci, donc je préfère rester. Non, le vrai bonheur, c'est possible, c'est toi qui décides. Hein? La Bible dit que celui qui bâtit, sans Dieu, bâtit en vain, invoque Dieu. Mets-le au milieu comme fondement, il va te conduire. Tout ce que je vous dis là, c'est le Seigneur qui m'enseigne. Il m'a appris ça. J'ai fait des erreurs, des vilaines choses qu'on ne peut même pas pardonner. Mais c'est Dieu qui est venu, il m'a enseigné, il a eu pitié de moi. Et j'ai accepté que Dieu m'enseigne. J'ai accepté de changer. Moi, j'étais une banditas. Une tocave. Moi, je vais te demander pardon. Il n'y a pas là. Moi, je vais te demander. Faut quitter là. J'ai dit, j'étais une banditasse. Il faut que tu aies de bonnes bases. Ne te mets pas avec quelqu'un dont tu sais que tu ne vas pas supporter le comportement. Il a une mauvaise vision d'une femme et tu ne vas pas. Tu vas regretter. Et voilà, les fiançailles, c'est fait pour être observé. Si ça ne va pas, tu le cales en l'air, tout simplement. Je crois au mariage et je crois que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et je crois que l'adultère et la fornication, ça fait plus de mal qu'autre chose. Je sais, j'ai déjà fait ça. Je ne comprenais pas ça avant. Mais quand je me suis trompée là, j'ai été malheureuse. J'ai été malheureuse. Tu comprends? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que tu sois heureuse. Hein? Un homme qui manque de compassion par rapport à sa femme. Déjà, la vie a blessé cette femme. Tu vois? Et elle marche avec ses cicatrices. Elle cache les blessures là, du mieux qu'elle peut. Tu vois, elle sourit, mais elle a mal. Toi, tu viens encore dans sa vie, tu la blesses, tu couches avec elle, tu la salis, tu la jettes. Non, papa, ce temps-là est passé. Hein? Je connais tellement de gens aussi qui se sont mariés, hein, dans le foyer. Comme dans le foyer de leurs parents, ça ne marchait pas. Ils n'ont pas cherché à avancer. Toi, tu peux arranger. Hein? Ne viens pas te réfugier dans un foyer. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aujourd'hui parce qu'elles ont fui le vilain comportement dans le foyer de leur père. Elles sont venues se réfugier dans le foyer. C'est pas toi, monsieur, qui va lui faire du mal comme ça.
C'est pas toi qui vas l'humilier, c'est pas toi qui vas l'exposer, c'est pas toi qui vas la jeter, la détruire, l'abandonner avec les enfants. Tu avais juré, tu avais promis que tu prendrais soin d'elle. Tu avais juré, tu avais promis que tu serais avec elle. Pourquoi tu lui fais ça aujourd'hui? Si elle a fait des erreurs, assieds-toi, enseigne-la, pardonne-lui, éduque-la. On va arranger, prenez des coachings. Thierry est là, Darcy est là, William Jemaine est là, je suis là, on va vous aider. J'ai fait des cours qui vous emmènent. Il y a des hommes qui sont venus toute cette semaine depuis que j'ai fait le truc, qui ont payé pour leurs femmes. Oh maman, aide-nous. Et puis on travaille et vous sentez que les femmes sont en train de monter. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Je dis toujours qu'un homme ne va t'aimer qu'avec ce qu'il a. Il n'a jamais vu son papa aimer sa maman. Il n'a jamais vu un homme, ses amis, coucher seulement avec les femmes pour laisser. Donc tu t'attends à quoi? Il va te traiter comme ça. Le problème, ce n'est donc pas toi. Mais toi, tu dois t'améliorer. Ne commets pas certaines erreurs pour détruire cette fille-là. Elle a déjà souffert. Ma chérie, cet homme-là a été de femme en femme. Avec toi, ça peut être son terminus. Un bon terminus. Tu peux ajouter quelque chose d'extraordinaire dans sa vie si simplement tu apprends à demander pardon quand tu t'es mal comporté. Quand ça ne va pas, mets-toi à genoux. Demande pardon à cet homme-là. Ça ne tue pas. Bonjour Rachel, chérie du Canada. Ça ne tue pas. Ça n'enlève rien. Ça ne t'enlèvera rien. Le manque d'humilité réciproque. S'il y a un problème, celui qui demande pardon, c'est le plus fort. C'est le plus mûr. C'est celui qui bâtit le foyer. Le plus important dans un foyer, ce n'est pas celui qui a tort ou celui qui a raison, mais c'est celui qui se précipite vite pour fermer la porte pour que le diable ne rentre pas. Un peu d'humilité. Même si tu as fait des erreurs, réalise que ça, c'était dégueulasse. Reviens, demande pardon. Merci, Michael Assis. Si tu n'es pas content, fous le camp de ma page. Tu parles trop. Va-t'en, faux type, là. Au nom de Jésus, que Dieu aussi te salisse sur ta page. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus important, ce n'est pas celui qui a tort. Le pardon dans le couple, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ou que tu manques de caractère, ou que tu n'as pas de considération. Non, mais quand vous vous boudez, quand vous ne vous parlez pas là, le diable travaille, il enlève les fondements, il enlève les briques que vous avez construites ensemble. Il ne faut pas permettre au diable de gagner. Tu comprends? Maman, ta famille, c'est ta famille, mais ils n'ont pas de place dans ta vie, dans ton foyer. Ton foyer, c'est ton foyer. N'invite pas ta famille dedans. Et fais un effort. Arrête de sentir l'huile de friture. Arrête de sentir tes produits du tchatcho là. Tu as tellement frotté les produits que le monsieur est dégoûté. Tu sens mauvais. Tu sens les produits. Tu fais partie de la Kofi Olomide gang. Une femme impolie, je vais te dire encore quelque chose. Aucune femme, je n'ai pas encore vu un foyer où une femme est insolente, elle est impolie, elle parle mal, elle sort des sales choses de sa bouche là, que son mari a envie de l'embrasser, jamais. Aucun homme n'a envie de rester avec une femme impolie, aucun homme. Un arbre ne peut pas porter deux fruits, tu choisis si dans ta bouche ça doit être des bonnes choses que tu vas dire à ton mari ou des mauvaises choses, d'accord? Vous savez, les hommes qui frappent les femmes, je dis toujours, vous fatiguez pour rien. Parce que souvent, avec les mots, on est capable de taper plus fort. Si ça ne va pas là, ne tape pas la fille. Fais-la asseoir, parle-lui. Un vrai homme parle. Un vrai homme ne tape pas. Un chef, il parle. Quand il parle, sa parole a l'autorité. Sa parole secoue la fille. OK? Un homme qui insulte la famille de la femme ne peut pas être aimé. Je n'ai jamais vu une femme qui parle mal. Elle parle mal à son mari et puis l'homme a envie d'elle. C'est faux. C'est faux. Non. Merci Winnie, tu as compris. Quand quelqu'un se comporte mal sur la page, ne me laissez pas me répondre à la personne. Si ça ne va pas, suivez-le sur sa page. Vous le ramassez puis vous le calez en l'air. Parce que ça, vous voyez, ça me distrait. D'accord. Je n'ai jamais vu une femme. Tu es impoli là. Et puis un homme, tu peux être belle, il va seulement coucher avec toi. Mougoupan, il va coucher avec toi et puis il va partir. Mais si tu es impoli là, aucun homme ne veut rester avec toi. Tu pars, tu dis moi, tu es gonflé, moi. Non, il va coucher avec toi, il va partir. Arrange la bouche. Faut flatter. Faut. Un homme, c'est capricieux. C'est ton bébé. Quand il rentre là, tu laves ses pieds. J'ai dit, il faut le flatter. Tu fais tout ça, il n'a même plus envie d'aller dehors. D'accord? Les hommes, vous qui trompez les femmes tout le temps là, vous détruisez vos vies, vous détruisez vos foyers, vous êtes en train de vous détruire. D'accord? Ok, les femmes, vous êtes bien dans la journée, et puis la nuit, vous êtes timide, il est là, les hommes ne veulent pas. Bien aimé, on va continuer la prochaine fois. Nous sommes déjà à 43 minutes, j'espère que vous avez compris. On va travailler encore lundi. Lundi à 13h, on va terminer sur ce sujet-là. Je reviendrai et je vais prendre toutes les questions qui me sont posées en interne et je répondrai. D'accord? Mais en attendant, comme je l'ai dit au début, le plus important,
le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que tu es dans cette relation? D'accord? Si tu es là parce que tu aimes cette personne, paye le prix. Investis dans cette relation-là. Il ne faut pas que tu aies peur de mettre de l'énergie. Tout ce qui marche, tout ce qui a du prix, il faut que tu investisses. Il faut que tu pries pour la personne. Il faut que ça marche. Il faut que tu te disciplines. Les hommes sont avec beaucoup d'amis. Non. La personne la plus précieuse de ta vie, après Dieu, c'est ta femme. Et après, sur les enfants. Fais passer ta femme devant, tu vas voir. Frère, c'est un conseil que je te donne. Si tu apprends à prendre soin de ta femme, regarde-la. Quand elle change de coiffure, quand elle met le vernis, elle a changé de robe, regarde et complimente ta femme. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les chanteurs? Tu n'as pas vu que les chanteurs, là, ils cumulent beaucoup de femmes? Parce qu'ils savent parler aux femmes. Apprends à parler à ta femme. Les femmes aiment qu'on les célèbre. Oh, Maria Valencia, hey, tu as les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Si tu n'apprends pas à parler à ta femme, on va la ramasser. Il y a une femme de pasteur qui me disait, elle est tombée dans l'adultère. J'ai dit, mais comment tu en es arrivée là? Elle a dit, maman, mon mari ne me faisait jamais de compliments. Jamais. Jamais de compliments. Il était toujours carré, dur. Et puis un jour, je suis sortie, je suis allée à la station. Je suis allée pour appeler à une cabine. Et il y a un homme qui est passé, il a fait, waouh, ça c'est une femme. Elle dit, maman, dans mon cœur, n'a sépeli. C'est-à-dire, c'est comme si il a versé de l'eau sur mon cœur qui avait soif. Il m'a regardé comme mon mari ne m'avait jamais regardé. Il m'a parlé comme mon mari ne m'avait jamais parlé. J'ai dit, elle dit que quand il a parlé, maman, je me suis sentie belle femme. Et c'était par là qu'il a commencé. Et c'est là qu'on a commencé à parler, etc. Vous voyez, frère? Donc, ne fais pas comme si, oh non, une femme, on doit l'éduquer comme ça. Non, la femme, ce n'est pas ton enfant. Elle mérite ton affection, ton amour. Elle mérite ta considération. Si tu éduques ta femme, si tu l'élèves, si tu la célèbres, si tu apprends à être attentionné, à regarder, ah, ma chérie a changé de coiffure, chérie, tu es belle, ma chérie a mis du vernis, apprenez à regarder, regarde ta femme, dis-lui les bonnes choses. Tu vas voir qu'elle va changer. Elle va être sûre d'elle, elle n'ira pas dehors. Elle n'ira pas. Si une femme se lève pour tromper là, c'est que tu n'as pas été correcte, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Pareil pour toi aussi, ma chérie. Mais je vous dis là, parce que les hommes se disent, non, une femme qui est Djandjou, tu veux. Non, c'est que tu n'as pas assumé. Tu n'as pas assumé. Fais la sortie de temps en temps. De temps en temps, même si vous n'allez pas au restaurant, tiens-lui la main. Quand vous marchez le soir, juste tu lui mets un petit pull au cou, tu dis, chérie, viens, on va marcher. Elle va dire, ah, j'ai un mari. Ils vont marcher dans le quartier, elle va dire, ah, moi, tu sais pas beaucoup. Est-ce que ça, là, on a payé pour ça? Non. Tu peux faire ça. Tiens la main de ta femme, elle met la main là, et puis tu marches juste une fois même par semaine. Je t'assure qu'elle va se préparer pour ce jour de la semaine. Elle va se dire, aujourd'hui, c'est le jeudi, c'est tous les jeudis que mon mari et moi, on marche dans le quartier. Je t'assure que tu peux rebâtir ton foyer simplement avec ça. C'est pas beaucoup. Hein? Quand elle fait quelque chose, tu viens, tu dis, chérie, est-ce que je peux t'aider? Et puis tu l'aides aussi. Tu vas voir qu'elle va, tu vas attirer ta femme. Quand elle parle, fais semblant même d'écouter. Hein? Elle parle, même si ça ne t'intéresse pas, tu es là, hein? oui. Parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. C'est pour ça que tu la vois courir vers tous les chanteurs là. Oh, Fali Poupa. Parce que les hommes chantent. Quand ils parlent, ils chantent. Chante pour ta femme. Pas seulement au lit, quand tu es en train de. Non! Toute la journée, tu chantes, tu appelles, chérie, ça va, je t'aime. Même si quand tu l'as laissé le matin, elle ressemblait à rien, tu l'appelles, tu dis, tu sais, tu es la plus belle pour moi. Le cœur va, le cœur, elle va commencer à dire, mon mari, c'est tout. D'accord? Jésus vous aime. Je vous attends lundi prochain à 13h. Partagez cette vidéo. Pour ceux qui veulent mes cours, il y a la lune de miel constante où je parle du mariage, où je parle de se trouver. Si vous voulez vous marier, vous voulez être formé, prenez la lune de miel constante. Si ça ne va pas, vous avez été beaucoup blessé dans la vie, vous avez le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Et pour les femmes qui veulent être épanouies un peu comme moi, bonjour ma chérie Cornélie, comment tu vas? Eh bien, vous prenez les 12 secrets de l'épanouissement. Je suis en train de préparer le cours de l'art d'être heureux. L'art d'être heureux en couple, ça va sortir. Mais c'est strictement pour les personnes qui ont plus de 23 ans et pas moins. Je vous aime. Calons l'air. Avec Coach Sonia.